D'accord, ok. Et, du coup, vous pouvez l'appeler, elle viendra. Bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Je vais vous proposer de vous mettre en place. Chers collègues, je salue le public présent. Salue également ceux qui vont suivre notre séance en direct sur YouTube. Nous sommes ici donc dans la salle des Arcs à Quévin. Nous excusons pour le petit retard. Il y a des difficultés de circulation sur Quévin, monsieur le maire. Non, c'est plutôt sur l'Orient, il faut être franc. Voilà, je vais rectifier. Nous sommes réunis pour cette séance assez exceptionnelle, puisque consacrée très essentiellement à l'examen du projet de territoire. Mais nous aurons avant quand même trois délibérations pour installer notamment une nouvelle collègue qui nous rejoint. Je voudrais vous dire qu'on est très heureux d'être ici aux Arcs à Quévin. On a choisi cette salle d'abord parce qu'on a souhaité que cette séance consacrée à l'approbation du projet de territoire puisse rassembler notamment les contributeurs au projet qui sont en partie présents dans la salle. Et puis c'est aussi l'occasion de dire que c'était compliqué donc de réunir tout le monde évidemment à la maison de l'agglo, mais que nous avons vocation aussi de temps en temps à faire des séances décentralisées dans les communes. Et c'est très bien que nous soyons ici à Quévin, accueillis par le maire qui a été, qui est le vice-président en charge de l'élaboration du projet de territoire. Et c'est aussi un joli clin d'œil que nous faisons à Marc Boutruche, mais j'aurai l'occasion d'y revenir, bien sûr, au cours de cette séance. Pour ce qui est des dispositions très pratiques, je vais vous proposer de garder votre masque pendant la séance, sauf évidemment pour les orateurs. Malheureusement, nous sommes encore en situation de circulation du virus, hein, vous le savez. Nous aurons d'ailleurs l'intervention du président de la République à 20h. On ne s'arrêtera pas pour autant, mais on verra ce qu'il nous annonce. Toujours est-il qu'il nous faut rester encore un peu prudent sur la circulation du virus. Je vais vous proposer de passer tout de suite à l'appel et puis aux premières délibérations. Alors pour Brandarion, M. Jean-Yves Cariot. Pour Bubry, M. Roger Tomazo. Pour Calan, Pascal Oudoussal, excusez, a donné pouvoir à Marie-Annick Lebeler. Très bien. Donc, ce n'est pas un pouvoir, d'ailleurs, c'est une suppléante. Pour Caudan, M. Fabrice Velli. Mme Martine Digluglielmo. Pour Cléguer, M. Alain Nicolazo. Présent. Pour Gavre, M. Dominique Levoidec. Pour Gestel, M. Michel Dagorne. Pour Groix, M. Dominique Yvon. Pour Guidel, M. Jo Daniel. Madame Françoise Ballester. Monsieur Patrice Jacqueminot. Madame Estelle Moriot. Très bien. Que nous avons le plaisir d'accueillir et dont je ferai l'installation dans quelques minutes. Pour Hennebon, Monsieur André Artereau. Madame Marie-Françoise Cérez. Monsieur Pascal Lelibou. Madame Laure Le Maréchal. Monsieur Fabrice Le Breton. Pour Inguignel, Monsieur Jean-Louis Lemal. Pour Azazac Le Christ, Madame Armelle Nicolas, excusez, pouvoir à Maurice Léchard. Monsieur Maurice Léchard, présent. Pour Lanester, Monsieur Gilles Carréric. Madame Rose Morelec. Monsieur Maurice Perron. Madame Anaïg Lemoel Raflic. Monsieur Philippe Gestin. Madame Florence Lopez Le Goff. Monsieur Patrick Le Guenec. Madame Claudine Debrassier. Pour Languidic, Monsieur Laurent Duval. Madame Véronique Garrido. Excusez, pouvoir à Laurent Duval, qui n'accepte. Damien Girard. Madame Gaëlle Lestradic. Monsieur Édouard Boin. Monsieur Bruno Blanchard. Madame Solène Perron, excusez, pouvoir à Bruno Blanchard, qui n'accepte. Monsieur Laurent Tonnerre. Pour Plomeur, Monsieur Ronan Loas. Madame Anne-Valérie Rodriguez. Monsieur Jean-Guillaume Gourlin. Madame Marianne Poulain. Monsieur Antoine Goyer. Alors, on va organiser un pouvoir pour lui. Je ne l'ai pas pour l'instant. Il envoie.
Madame Patricia Kerhoruen, excusez pouvoir à Ronan Loas, qui l'accepte. Pour Plouet, M. Gwenlonnet. Madame Annick Guillet. Pour Ponscorf, M. Pierrick Nevalen. Pour Port-Louis, M. Daniel Martin. Pour Kevin, M. Marc Boutruche. Présent. Madame Céline Olivier. M. Jean-Pierre Alain. Pour Kistinic, M. Antoine Pichon. Pour Riantec, M. Jean-Michel Bonhomme, excusez, pouvoir à Nathalie Perrin, qui l'accepte. Madame Nathalie Perrin. Et je crois avoir fait le tour. Je n'ai oublié personne. Antoine Gouillet a donné à Jean-Guy Mourin. Alors, en pouvoir de Antoine Gouillet à Jean-Guillaume Gourlin. Voilà qui est rectifié. Merci. Je voudrais maintenant désigner les secrétaires de séance. A priori, en fonction des présents, on peut proposer aux plus jeunes, c'est-à-dire à Fanny Graal et Lydie Lepabic, de bien vouloir accepter. Ce qui est fait, je vous en remercie. J'en viens à l'ordre du jour de notre conseil communautaire. Alors, une première délibération de principe que j'explique. Vous savez qu'en droit, le conseil communautaire se réunit au siège social de la maison de l'agglomération. Et si nous changeons de lieu, il nous faut adopter une délibération qui permet ce changement de lieu. C'est un peu formel, mais c'est ainsi. Et donc la première délibération que je vous propose, qui va nous permettre d'ailleurs de tester le vote électronique, eh bien, c'est d'approuver que cette réunion du Conseil communautaire se tienne ici, salle des Arcs à Quévin. Conviendrez, chers collègues, que ce serait compliqué d'être contre, sinon on mettra fin évidemment à cette séance immédiatement. Donc je vais vous proposer d'ouvrir le vote et puis de bien vouloir accepter que cette séance se tienne ici à Quévin, à l'invitation du maire de Quévin. Je ne sais pas s'il paye impôt après. Alors, on attend l'ouverture du vote. Voilà. Monsieur Christian Ledu. Et Marianic Le Belair. Voilà, 73 votants. J'imagine que nous aurons l'unanimité, ce qui est vérifié par le vote. Nous allons pouvoir tenir cette séance ici. Je vous en remercie. Deuxième délibération, il nous faut installer une nouvelle conseillère communautaire. En effet, en fonction des dispositions du code électoral, on a pu constater la cessation définitive des fonctions de Nathalie Lescoublet, qui était conseillère municipale et désignée pour siéger comme conseillère communautaire au titre de la commune de Guidel, ce qui confère immédiatement la qualité, donc elle cesse ses fonctions, et ce qui a conféré immédiatement la qualité de conseillère communautaire à Madame Estelle Moriot, que nous avons donc le plaisir d'installer, et qui est ici présente et qui donc accepte ses fonctions de conseillère communautaire. Donc, il nous revient d'installer Madame Moriot. Il n'y a pas de vote, c'est un constat, simplement, que Madame Moriot fait bien partie de nos effectifs de conseillère communautaire. Il est ainsi décidé. Merci. Troisième délibération, cette fois-ci qui donnera lieu à un vote électronique. Il s'agit de désigner Madame Estelle Moriot au sein d'une de nos commissions, en l'occurrence la commission aménagement, mobilité et habitat. Est-ce que ceci appelle des remarques ? Non, on va pouvoir procéder au vote. Le vote est clos. Unanimité. Je vous remercie. Madame Estelle Moriot va pouvoir donc siéger au sein de la commission à partir de l'organisation de la prochaine séance du Conseil communautaire. Merci. Bon, nous allons finir avec les délibérations de mise en place. Vous avez vu que c'était relativement rapide. Et j'en viens maintenant à la présentation du projet de territoire. Je vais
commencer la première intervention. Nous aurons ensuite un petit film. Puis Marc Boutruche fera une présentation plus détaillée du projet de territoire. Chacun des vice-présidents prendra ensuite la présentation d'un des axes. Nous ouvrirons le débat avec les groupes. Il y a un amendement, donc nous aurons un vote à faire sur un amendement. Le CDPL sera amené à donner son avis sur le projet de territoire. Voilà à peu près comment va s'organiser notre séance. Mes chers collègues, le 16 juillet 2020, je vous ai demandé et obtenu votre confiance pour présider notre agglomération avec un premier objectif majeur, l'élaboration d'un nouveau projet de territoire, une démarche inédite pour notre établissement communautaire, dont je situais le terme au premier trimestre 2021. Deux confinements sanitaires ont retardé de quelques mois ce calendrier, mais nous y sommes. La vision stratégique que je prenais alors s'est traduite aujourd'hui par la présentation de cette feuille de route qui fixe 5 axes et 15 enjeux stratégiques majeurs. J'ai une conviction intime et profonde que je veux partager avec vous, chers collègues, comme avec les contributeurs présents dans la salle et avec ceux qui suivent nos travaux ce soir. Il y aura littéralement un avant et un après projet de territoire. Ce riche processus d'élaboration du projet de territoire, nous l'avons conduit avec passion, avec Marc Boutruche et le comité de pilotage qui a rassemblé tous les groupes de notre assemblée, avec notre administration, avec notre cabinet conseil, avec l'ensemble des élus municipaux de nos 25 communes, dont un certain nombre sont présents ici ce soir, salle des Arcs, avec les acteurs économiques associatifs, avec les citoyens qui se sont investis dans cette démarche exigeante. Nous avons su collectivement dépasser nos seules préoccupations communales pour en revenir au fond à l'essentiel. Vivre ensemble, continuer de vivre ensemble sur le bassin de vie qu'incarne le territoire de nos 25 communes et même au-delà, celui du Grand Pays de l'Orient avec les territoires voisins de Quimperlé-Communauté et Blavet-Bellevue-Océan. Nous avons su transcender nos différences géographiques, nos différences de situation, nos différences économiques et sociales, pour mieux incarner une vision globale de l'avenir de notre territoire, à partir de la conviction que ce qui nous rassemble est plus important que ce qui nous divise. J'ambitionne le fait qu'un réel esprit communautaire est né, et au-delà des votes de ce soir, qui vont se situer dans le cadre d'un vote d'assemblée, peut-être forcément réducteur, une réelle volonté d'avancer ensemble pour le bien de nos concitoyens est née également. Nous aurions pu nous en tenir à une réflexion entre élus, dans le confort intellectuel de l'Assemblée communautaire. Nous avons choisi d'ouvrir largement le champ de la concertation en prenant le risque que ce projet soit, au final, sensiblement différent que ce que nous aurions construit en interne. Nous aurions pu circonscrire le champ de notre réflexion aux seules compétences communautaires. Nous avons décidé de donner la parole à nos concitoyens pour qu'ils nous fassent part à la fois de l'ensemble de leurs préoccupations de vie et de leurs belles envies d'avenir. Nous aurions pu détailler un programme d'action très précis avec le risque d'être très vite démenti par les circonstances, les contraintes budgétaires ou les limites réglementaires ou légales. Nous avons au contraire choisi une feuille de route stratégique, agile, fixant de grands enjeux, qui pourra se décliner en actions concrètes et crédibles tout au long du mandat. Ce projet de territoire clôt une première étape, celle du diagnostic et de la définition des orientations, mais il a vocation à vivre et à évoluer ces prochaines années en s'adaptant, dès que cela sera nécessaire, aux conditions du moment. Ce projet de territoire, c'est un projet pour un territoire de vie et deux projets, projets au pluriel. Un territoire où nous voulons plus que jamais travailler, nous loger, nous déplacer, nous divertir, nous épanouir, pour mieux vivre, rire, chanter, échanger, partager, bref, pour mieux vivre ensemble. Un territoire dont nous sommes fiers, qui rayonne, attire, resplendit, pour reprendre une image de la belle devise de la ville de Lorient.
un territoire que nous devons protéger face aux défis du réchauffement climatique, de la reconquête de la qualité des eaux, de l'autonomie énergétique, des mobilités, de la qualité de l'alimentation, de la tension foncière immobilière ou encore de l'accès à l'emploi. Cette liste n'est pas exhaustive. La transformation écologique et la révolution des transports en sont des réponses fortes. Un territoire riche de sa diversité de paysages et d'atouts naturels, de sa maritimité et de sa rade nourricière, comme de son exceptionnelle ruralité et de ses richesses agricoles. Un territoire qui s'engage vers les excellences économiques et écologiques, un territoire où la solidarité, le vivre ensemble sont des marqueurs d'identité. Un territoire ouvert qui coopère avec ses voisins, qui contribue au rayonnement de la Bretagne et de notre pays, un territoire qui sait garder sa dimension d'équilibre, sa dimension humaine. Sur la base des projets portés par les différentes équipes municipales lors du scrutin de 2020, ce projet de territoire est véritablement l'expression de notre destin partagé, c'est-à-dire qui embrasse tout le champ des préoccupations et des ambitions de nos 209 000 habitants. Des besoins d'emploi, de déplacement, en passant par les questions de santé, de petite enfance par exemple, se déclinent des objectifs et actions qui seront engagés soit par l'Orient agglomération et ou les communes, soit par des tiers, l'État, la région, le département, auprès desquels, à ce moment-là, l'Orient agglomération jouera plus un rôle d'impulsion, de facilitateur, de coordinateur ou d'accompagnement. Lors du congrès départemental des maires que nous avons accueilli le week-end dernier à Lanester, j'ai dit mon bonheur de servir chaque jour mes citoyens, un sentiment partagé par la majorité des maires présents, mais également des présidents de PCI, bien souvent maires également. Ce bonheur de servir inspire la philosophie de notre démarche, une agglomération au service de nos communes pour apporter la valeur ajoutée que doit permettre la dimension intercommunale. Une agglomération au service de l'ensemble de ses 209 000 habitants, au fond, une agglomération qui incarne bien le territoire et se met à son service. Je tiens ce soir à remercier tout particulièrement mon vice-président, Marc Boutruche, à qui j'ai confié dès 2020 le soin d'animer le processus de concertation et d'élaboration. Il y a mis toute sa passion, toute son énergie, son franc-parler, que nous connaissons bien, comme son indécrottable optimisme et son adhésion enthousiaste au principe de notre destin de vie intercommunale. Je tiens à remercier nos services qui ont accompagné l'ensemble des acteurs et se sont mobilisés pour traduire nos attentions et faire en sorte que ce processus aille à son terme. Je tiens à remercier vivement le Conseil de développement du Pays de l'Orient, chère Lisiane, ainsi que tous les contributeurs qui ont apporté leur pierre à cette élaboration et dont beaucoup sont venus ce soir. Mes chers amis, chacun d'entre nous doit mesurer la portée de notre démarche. Pour ma part, je la mesure. Je suis l'orienté. Mais j'assume de temps à autre une petite infidélité à mes commerçants l'orientais pour faire quelques achats à Lanester, à Caudan ou à Quévin. Je me baigne dans les eaux turquoises de Kerguelen ou dans les vagues du Fort Bloqué. J'aime dîner sous un beau coucher de soleil à Guidel-Plage, cher Jo. Je ne veux surtout pas rater le Grand Prix de Plouet. Je veux prendre le plaisir de redécouvrir le village de Poulfétan à Kistinic ou encore me souvenir que ma famille est historiquement originaire de Lanvaudan. Je suis l'orientais, mais comme vous, habitant d'autres communes du territoire, mon espace de vie est bien plus large. Comme beaucoup d'entre vous, je me sens avant tout un citoyen du pays de l'Orient. Voilà pourquoi je vous ai proposé de vous engager dans la démarche du projet de territoire. Notre agglomération va se doter, sans doute, pour la première fois de son histoire, d'un projet de territoire qui fait sens, qui va nous permettre de nous mobiliser pour nous engager tous ensemble au service de notre espace de vie et de nos habitants. Il nous restera à le faire vivre. André Malraux a dit « Les idées ne sont pas faites pour être pensées, mais pour être vécues. À nous désormais de faire vivre le projet de territoire, notre idée du vivre ensemble au Pays de l'Orient. » Je vous remercie.
Alors, je crois que nous avons le petit film maintenant, c'est ça? Je me tourne vers l'administration. Alors, place au film. Ça commence bien, aucun signal. Le fil rouge sur le bouton rouge. Voilà, ça vient. Merci, merci à ceux qui ont réalisé ce petit film qui ne peut pas résumer toute la richesse des contributions, mais qui donne, je pense, quand même à l'état d'esprit qui a été en tous les cas le nôtre et celui de l'ensemble des contributeurs tout au long de cette démarche d'élaboration. Je vais laisser la parole à Marc Boutruche. Bonsoir à tous. Alors, en revoyant le petit film, moi, je suis un petit peu ému, mais bon, je ne vais pas en faire trop ce soir, c'est promis. En tout cas, je vais m'autoriser à parler un peu plus que d'autres. Merci Fabrice, merci Président de tous ces mots. Voilà, j'avais envie de dire à peu près la même chose, mais vous me connaissez, comme je vais le dire moins bien. Je vais évidemment pas le répéter. Je n'ai pas non plus l'habitude de citer tous les gens qui ont participé, mais là, je suis désolé et je m'excuse d'avance, ça va peut-être être un peu long, mais je me sens obligé de citer les réseaux, de citer tous les gens qui ont participé, parce que sinon, ça donne pas toute la mesure et la grandeur des diversités, des contributions et des contributeurs. Donc, évidemment, je remercie le groupe des petites salles du Pays de l'Orient, le CJD, la Chambre de commerce et d'industrie, EREL, la Chambre des métiers de l'artisanat, Meet in Lorient, avec la CGPEX, avec l'Office du tourisme LBST, avec le FC Lorient, Club Bellambra, le Club Hôtelier. Je remercie aussi ces deux sols, le CDPL évidemment et un peu particulièrement, la Chambre d'agriculture, la Commission intercommunale d'accessibilité, le collectif Cyclette, le MEDEF, Optimisme, l'EHPAD de Kervenanec, tous ces gens ont apporté des contributions, Eaux et Rivières de Bretagne, le PSM Charcot, sur une contribution inattendue mais très espérée, via le groupe Nautisme, le CNL, la SNL, Marine Ouest, le Musée du Sous-Marin, Service patrimoine de la Ville de Lorient, avec également le groupement des associations d'histoire du Pays de l'Orient, la mission locale, le comité départemental des pêches maritimes et des élevages marins, Port Center,
des entretiens aussi avec les acteurs socio-économiques, le GHBS, Hydrophone, BVC, Organisation. En plus, j'en vois plein dans la salle, donc c'est très important. Là, c'est l'or, je l'ai déjà dit. Le réseau HIT, la Coloc, IoT BZH, Naval Group, le président de la Fédé du bâtiment, Quimperlé Communauté, nos voisins. Il y a un axe coopéré, vous le verrez tout à l'heure. Le comité de communes Blavet-Bellevue-Océan, avec sa présidente également. La Marine nationale, qui a énormément contribué et qui a fait découvrir aussi tout le pays de l'Orient à nos cabinets. L'UBS, la sauvegarde 56. Et oui, c'est pas fini. Le conseil des maires, évidemment. 100 élus du territoire par des groupes d'ateliers, 25 communes, 4 élus par commune, je le rappelle, mais vous l'avez vu dans le petit film. Les DGS des communes qui se sont impliqués et qui ont consolidé aussi, des liens avec pas seulement leur maire, mais aussi les maires voisins. La direction générale de l'agglo, on l'a dit. Un gros merci aux élus communautaires, aux villes contributrices. On a des villes qui nous ont fait j'en cite quelques-unes, Lorient, Caudan, Languidic, Guidel, voilà, qui ont apporté des contributions. Des élus en perso, là, vous êtes très nombreux, mais j'en cite un en particulier, Pascal Le Libou, vous comprendrez pourquoi. Fabien, Myriam, Christophe et Marion, qui ont constitué le cabinet conseil. Grégoire et Mathéo pour la plateforme numérique. Thomas, Florène et Anne. Alors, on n'a pas le droit de citer des agents de la collectivité, mais ils se sont reconnus. Eux, je pense que je leur dois beaucoup, 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 parce que, enfin, je leur dois pas dans ce qu'on a produit, parce que ça, c'est ce que vous avez produit et ce que nous avons produit ensemble, mais juste pour le temps qu'ils ont consacré à l'action qu'on a dû faire pour répondre à la demande du président. Nicolas, qui peut pas être là, mais qui fait des photos, et Gaël, Maxime, Eric et Myriam pour la communication. J'oublie évidemment pas les groupes politiques avec, j'ose le dire, une contribution très nourrie de coopération terre et mer, particulièrement, et un gros travail du groupe Lorient Agglomération avec vous et du groupe majorité Lorient Bretagne Sud Agglomération. Ensuite, je remercie aussi tous les témoins. Alors là, par contre, je ne vais pas les citer, mais vous savez que les villes ont donné deux noms de témoins dans chacune de leurs communes. Et tous ces gens-là aussi ont contribué. Et donc, il y a des entreprises locales de tous nos territoires. Donc voilà, je voulais tous les citer. J'ai envie qu'on les applaudisse, que vous vous applaudissiez, parce que c'est très important. Et cet esprit collectif, il va se retrouver dans vos applaudissements. Merci pour tous. Alors, vous avez compris, entre la plateforme, les citoyens, tous les contributeurs, vous l'avez vu sur le petit film, c'est énormément de propositions. C'est... aussi un copil, alors ça j'insiste pour le dire, on ne l'a peut-être pas dit beaucoup, mais il y avait un comité de pilotage. Dans celui-ci, il y avait tous les gens étaient représentés, je dis bien les gens, les partis, enfin les groupes politiques, pardon, excusez-moi, lapsus, les groupes politiques. Et donc on a pu s'assurer tout au long de la démarche du projet de territoire, non pas de sa bonne écriture, puisque sa bonne écriture, elle est la qualité de ce que vous avez produit et de ce que nous avons produit ensemble, mais on avait promis que ça allait être collaboratif, collectif, et ce comité de pilotage, il était essentiel pour pouvoir justifier et prouver et faire remarquer que toutes les contributions et les contributeurs étaient tous ensemble dans ce projet de territoire et pas les uns à côté des autres ou les uns contre les autres. Donc ça, c'est important et je voulais le signaler. Et donc, une fois que j'ai dit tout ça et que j'ai fait tous les remerciements, je crois, suffisants, pour introduire les axes qui vont être présentés par les vice-présidents, j'excuse déjà Armelle Nicolas qui a eu un tout petit pépin de santé, donc je vais la remplacer au pied levé sur l'axe numéro 1. Mais je sais qu'elle va nous suivre. Je sais que j'ai demandé à son fils de lui faire un commentaire de toutes les bêtises qu'on a pu dire. Je vais vous lire une petite chose. C'est important. C'est un contributeur particulier. Je vous dirai après qui l'a fait. Ça s'appelle le Club des 5 dans le Pays de l'Orient. Et je veux vous en faire juste une petite lecture introductive. C'est important. Vous allez comprendre l'esprit dans lequel j'ai envie qu'on œuvre pour le territoire. Et le président l'a tellement bien exprimé avant que je pense que vous ne pouvez pas être contre cette idée-là. On aurait pu l'appeler le Club des 25. Pascal Le Libou, ça y est, je l'ai vendu. L'a appelé le Club des 5, les 5 pour les 5 axes. Moi, j'aurais peut-être proposé le Club des 25 pour les 25 communes. En tout cas, je vais vous lire le début. Il reprend quelques expressions du président, mais vous allez comprendre pourquoi je l'aime, cette introduction. Pardon, pas Pascal Le Libou, même si je l'aime aussi. Je m'appelle Yann, j'ai 15 ans. Mes parents sont originaires de Bubry et de Lanvaudan et nous habitons une maison à Kerdual, sur la commune de Quévin. Il voulait faire plaisir à son vice-président, vous pensez bien. Mais Quévin est tout près de Lorient. Mon père est responsable d'atelier dans un garage à Lanester et ma maman est infirmière libérale à Pont-Scorff.
Je suis en classe de 3e au collège de Quérentré, après ma primaire à Quévin et ma maternelle à l'école bilingue Anatole France. Oui, un comble. Je fais du foot à Lorient Sport, mais depuis peu, je me suis mis au BMX et j'avoue que ça me plaît davantage. L'an passé, j'ai pu faire un peu de surf. Puis mes parents m'avaient inscrit au mini-camp organisé par la ville de Quévin et j'espère bien recommencer. Comme ma mère est très attachée à la culture bretonne, je me suis inscrit au Bagadic d'Anorient, mais je n'ai pas accroché à la bombarde. Du coup, j'apprends la guitare avec le père d'un copain. Récemment, notre prof de français nous a proposé d'utiliser la période de Covid et donc la fin de l'année scolaire pour un travail de groupe qui ne me parlait pas au début, mais que finalement j'ai trouvé super. Le sujet, c'était « Où avez-vous envie de vivre dans 10 ans ?» C'était proposé dans toutes les classes de seconde du territoire de Lorient Agglomération. Il fallait mélanger les équipes, mélanger les lycées, mélanger les communes. Du coup, parce que c'est un jeune qui parle, on est d'accord. Hein. Cette expression nous agace tous, on est d'accord. Du coup, on s'y est mis, on a trouvé des coéquipières, on a cherché des trucs sur Internet, on a eu l'idée d'aller questionner nos parents, nos profs, nos amis, les amis des amis. Et puis, on a vite compris qu'il s'agissait d'une question beaucoup plus vaste, qui était en fait le type d'existence que l'on voulait ici, dans le pays de Lorient, dans 10 ans. Ensuite, ce petit livre du Club des 5 et des 25, que vous allez applaudir juste après, c'est promis, c'était de lui trouver un nom. Ensuite, c'est quelques titres de paragraphes. Je vous en donne quelques-uns. Vous allez comprendre, c'est tout ce que les contributeurs ont apporté aussi. Un territoire pour les jeunes, pour y vivre et y travailler. Gardons la pêche. C'est bien écrit, donc il y a des jeux de mots. Vous pouvez sourire, rire. Voilà. Un territoire de gastronomie. Regardons vers l'Orient. Le territoire de la langue et de la culture bretonne, où il y a de l'hydrogène, il y a du plaisir. Merci pour les rires, j'aime beaucoup quand vous répondez comme ça aux sollicitations. Des transports plus fluides et plus écologiques, une équité renforcée entre les communes du territoire, des élus plus impliqués dans les projets du territoire et moins dans le débat politique. Et une conclusion, et dans cette conclusion, un territoire glace, vert et bleu, qui a su équilibrer ses atouts. Voile, mer, pêche et ses atouts bleus. Voile, mer, pêche et ses atouts verts. Nature, randonnée, agriculture. Des moyens de transport individuels et collectifs. Écologiques, complémentaires entre eux et équitables, répartis entre les communes. Un territoire qui contrôle son activité et sait offrir emploi et logement pour garder sa jeunesse. Un pays de l'Orient qui exporte vers l'Orient ses compétences. Le pays de l'Orient devenu un des pôles central et fédérateur des langues et cultures de Bretagne. Une plus grande justice et solidarité entre habitants du territoire, financière, numérique et d'infrastructure, et un nouveau style de gouvernance sans clivage politique, plus mobilisateur pour et par les élus communautaires. J'ai terminé avec la petite lecture de ce contributeur et j'aimerais beaucoup qu'on l'applaudisse puisqu'il représente, je trouve, l'esprit et il illustre très bien l'esprit dans lequel a été monté ce projet de territoire et ce pourquoi j'en suis assez fier, donc merci Pascal. Si la presse voulait éventuellement en faire quelque chose, avec l'autorisation de Pascal, on peut imaginer plein de choses assez grandes ensemble. Voilà, cher président, moi j'ai terminé sur l'introduction, en tout cas, voilà ce que j'avais envie de dire, donc on peut peut-être attaquer les axes. Je te rends la parole. Merci Marc, nous allons donc effectivement, commencer la présentation du projet de territoire lui-même. Mais avant, je voudrais donner la parole donc à Lysiane Méthenet-Noël, qui est la présidente du Conseil de développement du Pays de Lorient, qui est un organisme associé aux travaux de Lorient Agglomération, mais qui nous avons souhaité vraiment faire jouer un rôle particulier, parce qu'il s'agit de la société civile, en quelque sorte, incarnée par ses représentants au sein du CDPL. Et elle va nous donner l'avis du CDPL sur ce projet de territoire. Merci. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les vice-présidentes et vice-présidents, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames, Messieurs. Tout d'abord, j'adresse au nom du Conseil de développement du Pays de Lorient nos remerciements appuyés au président de Lorient Agglomération pour nous avoir associés en tant que partenaires au projet de territoire en particulier et d'avoir lancé cette dynamique territoriale en général. Depuis la saisine en mars 2021, nous nous sommes particulièrement mobilisés pour apporter la contribution de la société civile, citoyens, milieux socio-économiques, associatifs, organismes publics.
Depuis presque un an, nous travaillons de manière itérative et efficace avec Marc Boutruche, vice-président en charge de ce dossier, et Thomas Chiron. Nous avons pris connaissance de ce projet avec beaucoup d'intérêt et de cette riche production pour notre territoire. Je vais vous présenter les remarques du projet du territoire vu par le CDPL, qui, je le rappelle, agit sur un périmètre plus large que l'Orient agglomération. Le pays de l'Orient correspond à un bassin de vie qui englobe l'Orient agglomération, la communauté de communes Blavet-Bellevue-Océan et Quimperlé-Communauté. Ce point a toute son importance pour les réponses que je vais vous présenter maintenant. Dans un premier temps, des remarques à caractère général sur le document de l'Orient agglomération. Nous ne pouvons que partager les enjeux et objectifs qui relèvent du bon sens et d'impératifs consensuels liés à notre environnement et à l'actualité. Nous relevons que le projet issu vraisemblablement d'une volonté politique consensuelle reste assez classique. Par ailleurs, même si c'est sûrement implicite, nous ne trouvons pas dans la partie introductive la volonté de construire un projet de territoire comme un processus itératif qui nécessite un point de départ, la validation du projet de territoire et des révisions régulières. Le monde est complexe, instable et nécessite une agilité et une réactivité dans lesquelles le CDPL souhaite s'impliquer. Le diagnostic partagé, exprimé en termes de force, de faiblesse, d'opportunité et de menace, met en lumière ce qui était exprimé et partagé en grande partie par le CDPL. La partie menace pour les territoires, vieillissement, dérèglement climatique, les relations entre urbain versus rural, pourraient être davantage être utilisées pour définir l'ambition et la volonté du projet de territoire tel que décrit dans notre contribution. Un territoire d'avenir, d'innovation, de créativité, d'équilibre et de solidarité propice à un développement responsable, respectueux de la biodiversité, nécessitant une approche sociale. Un territoire d'équilibre, désirable, où il fait bon vivre pour les générations futures, femmes, hommes, juniors, seniors, urbains, ruraux, sans oublier les familles. L'innovation est un levier de croissance, mais surtout un enjeu humain. Elle ne se limite pas à la technologie. Il est important de donner du sens à la transformation, moment de transition, de doute. L'innovation permet de ne pas subir le changement, mais de l'anticiper. L'axe 5, coopérer, sur lequel est attendue la contribution du CDPL, porte bien son nom si on reprend son origine latine, cum operare, œuvrer ensemble. Nous proposons que notre contribution, qui se concentre sur le bassin de vie pays de l'Orient, s'élargisse sur la Bretagne Sud dans le domaine maritime, ferroviaire et aéroportuaire. Si l'on peut penser que naturellement, le rayonnement, la transformation font partie des gènes de tout projet de territoire, la prise en compte des équilibres au sens général doit faire l'objet d'une plus grande attention, équilibre entre le monde rural et le monde urbain pour le développement des infrastructures de proximité, des mobilités, du déploiement, du numérique, de l'accès à la culture pour tous, doit aller au-delà pour nous du vivre ensemble uniquement à la lorientaise, comme nous l'avons pu le dire. Dans un deuxième temps, je souhaite vous faire part des remarques en rapport avec les propositions concrètes que nous avons proposées sur le projet de territoire. Alors, d'une manière générale, les thématiques abordées dans le projet, font part à la prévention et à l'anticipation de manière plus importante. Les éléments saillants que nous avons relevés concernent plusieurs thématiques. La thématique santé-environnement. Alors là, le document fait peu mention d'une politique sanitaire de prévention ciblée, alors que l'engagement de la collectivité sur un contrat local de santé n'est pas cité, et il existe, et il représente une force pour notre territoire. S'agissant de la santé mentale, que ce soit celle des enfants ou celle liée aux impacts de la pandémie, nous vous remercions de l'avoir intégrée dans la version soumise au vote du Conseil communautaire de ce jour. La thématique culture. Le projet de l'Orient agglomération ne tend pas à construire une politique culturelle à l'échelle de l'agglomération, qui pour nous est un véritable outil d'équilibrage du territoire. Il nous paraît opportun et nécessaire de parler de compétences culturelles au profit de l'établissement public de coopération intercommunale, sans pour autant dessaisir les communes de leurs prérogatives. Rentrerait dans cette politique culturelle intercommunautaire la mise en place de tiers-lieux, l'accueil et le soutien aux artistes, la création d'un pass culture territoriale,
sans oublier la mise en place d'une politique globale d'un schéma sur la langue et la culture bretonne. Sur la partie mobilité, il manque l'armature proposée par le CDPL avec l'affirmation de 3 hubs, gare ferroviaire, gare maritime, gare d'Ennebon et la création d'une nouvelle gare à Kerpoint-Lanester. La thématique accessibilité est peu développée. La notion de territoire d'entraide plaidée par le CDPL via son inclusion n'a pas été retrouvée dans le projet. Donc la dernière thématique que je vais exposer, la thématique jeune, est abordée sous un angle transversal via la culture, le sport, l'emploi et non en tant que tel. Alors je vais insister sur ce point, ça va rejoindre ce que Marc Boutruche vient de dire. Pour nous, en fait, les jeunes doivent être le catalyseur du changement. Le projet de territoire 2030 porte sur une décennie clé. Des transformations importantes se produiront dans le domaine environnemental, numérique, entrepreneurial et social. Alors, confions à notre jeunesse, qui vient de s'ouvrir de la crise sanitaire, la transformation de notre territoire. Nous avons le devoir de les accompagner. Mobilisons-nous pour elles et avec elles. Et là, je rejoins ce qui vient d'être dit. L'occasion de féliciter en particulier le groupe jeune qui s'est formé à l'occasion de notre contribution. Je suis très fière que ces jeunes bénévoles portent dorénavant une partie des sujets traités de manière transversale. Bien sûr, ces remerciements s'adressent à tous les membres bénévoles du CDPL qui ont participé à cette contribution, sans compter leur temps. J'aime à rappeler que si le bénévolat n'est pas payé, ce n'est pas parce qu'il ne vaut rien, c'est parce qu'il n'a pas de prix. En conclusion, je réitère mes remerciements à l'ensemble des élus pour nous avoir permis de co-construire ce projet. Projet riche de la contribution de la société civile à travers le CDPL. Une nouvelle feuille de route s'ouvre pour nous. Le CDPL s'organisera en fonction pour répondre aux sollicitations. Nous allons capitaliser sur nos 3 fils rouges, prévention, santé, environnementale, thématique transversale, mais également l'inclusion et les jeunes. Donc notre territoire est riche de cette diversité. Nous devons tenir compte de cette différence entre ruralité, insularité et zone urbaine. Notre seule ambition est d'apporter des éclairages pour vos politiques publiques pour que notre territoire à l'horizon 2030 soit meilleur, soit le meilleur, et pourquoi pas un territoire favorisant l'expérimentation, l'innovation et la créativité. Je vous remercie. Merci, Madame la Présidente du CDPL. Je vais maintenant donner la parole à nouveau à Marc Boutruche, qui va donc présenter l'axe 1. Nous allons maintenant procéder à la présentation de chacun des axes. Armel Nicolas, encore une fois, devait présenter cet axe, mais c'est Marc qui reprend la présentation au pied levé. Marc, tu as la parole. Alors, je vous rassure, on ne va pas lire tout le document. Juste comme je suis le premier à parler, ça me permet aussi de vous expliquer comment on a fait les choses, c'est-à-dire qu'on a un axe, on a une définition de l'axe en quelques lignes, ensuite on se base sur des chiffres clés, un diagnostic partagé, les principales attentes des contributeurs, on définit des objectifs avec des grands enjeux dont le président a parlé tout à l'heure, et dans chaque enjeu on décline des actions, et voilà, donc c'est comme ça qu'est constitué le document pour que ce soit lisible. Et ensuite, j'en profite aussi, suite à l'intervention du Conseil de développement, parce que vous avez vu que le gros intérêt de ce projet de territoire, c'est qu'il vive et qu'il continue de vivre. Et donc, c'est à la fois une démarche aboutie. Donc moi, je me sens soulagé parce qu'on arrive à un travail fini. En vérité, ce n'est que le début et que le commencement. Et l'intérêt et l'idée qu'on doit avoir tous ensemble, c'est de le porter, de l'amender, de le faire évoluer tout au long des années qui vont passer. Donc voilà, c'était juste pour bien vous mettre dans le contexte, comme je suis le premier à présenter un axe. Alors, l'axe vivre ensemble, un territoire solidaire et accueillant, cultivant un art de vivre à la lorientaise. Des chiffres clés, avec une croissance de population à plus 0,3%, un nombre de logements, 115 000 logements, deuxième EPCI breton, un diagnostic où on précise des forces comme l'offre de services jugée globalement satisfaisante, des faiblesses, où là on rentre complètement dans le détail, où on va par exemple parler de déficit de places en EHPAD, et puis des menaces sur une caractéristique qui a été très, très rapportée par les habitants du territoire, la tension sur le logement. Et donc, à partir de tous ces chiffres, que je ne détaille pas, c'est juste pour vous donner une illustration pour commencer, c'est de sortir des objectifs. Et les objectifs, sur ce premier axe,
c'est promouvoir un habitat pour tous partout dans nos communes. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il va falloir, pour améliorer l'accès au logement, offrir une variété plus importante avec des logements accessibles, que ce soit en termes de coût, de taille, de localisation, de forme d'habitat, très important. Il va falloir aussi trouver sans doute des solutions pour amener des possibilités d'accès au logement, non pas seulement pour les louer, mais aussi pour les acquérir. Et là, il y a un travail avec la constitution d'un office foncier solidaire pour donner des actions très concrètes qui vont vous parler. On travaille aussi sur le prochain PLH, le plan local de l'habitat, très important. Donc voilà comment, avec ce premier exemple, je vous donne un peu les pistes de lecture et les clés de lecture. Alors, dans ce premier axe, un territoire pour tous, c'est accroître la mixité sociale et intergénérationnelle, c'est développer l'offre de services à la population, notamment en facilitant le maintien à domicile, en réfléchissant à de nouvelles formes de résidence senior qu'il va falloir imaginer, et en répondant évidemment à une problématique, c'est de travailler justement, comme on en parlait tout à l'heure, sur le contrat local de santé et de discuter avec l'ARS sur l'augmentation des places en EHPAD. Évidemment, c'est de faire de Lorient Agglomération un territoire inclusif. Ça va rassurer le Conseil de développement qui retrouve des terminologies qu'il a citées. Et sur ce dernier point, le programme Handicap Innovation Territoire constitue évidemment une action majeure à poursuivre. Dans ce même axe, le deuxième gros enjeu stratégique, c'est un territoire responsable qui agit en faveur du cadre de vie et de la santé de ses habitants. On fait la transition toute trouvée avec le contrat local de santé, évidemment en travaillant avec nos partenaires, et là vous retrouvez des noms, et c'est ce qui est intéressant de tous nos contributeurs, le GHBS, le PSM Charcot, évidemment dans un CLS, la santé mentale est fléchée, bien entendu, mais comme plein d'autres choses. On va évidemment promouvoir la santé et développer la prévention. Là aussi, c'est des mots-clés que vous retrouvez, avec des interventions publiques qui vont s'appuyer sur le plan santé-environnement, renforcer l'accès pour tous à une alimentation locale de qualité. Un des leviers, évidemment, ça va être la restauration collective. Et moi, je suis très fier de vous dire que, en termes de circuit court, ici à Quévin, on est à 78%. Donc, c'est des choses qui sont déjà qu'on peut capitaliser sur quelques communes où ça marche très bien. Protéger nos ressources et reconquérir la qualité des milieux pour préserver le cadre de vie. Il s'agira évidemment de bien faire en sorte que les écosystèmes fonctionnent entre les zones urbanisées et en même temps protéger la biodiversité, reconquérir la qualité des ressources en eau. Agir évidemment pour un territoire apaisé avec quelques actions phares, je le disais tout à l'heure, comme prévenir la santé en luttant contre les nuisances et les pollutions environnementales. En troisième enjeu stratégique dans cet axe, un territoire vivant et fier de son identité. Dans les chiffres clés, on retrouve quand même des chiffres qui sont des marqueurs, 883 000 festivaliers aux événements culturels, dont 800 000 au festival interceltique. Et évidemment, dans le diagnostic partagé, des choses ont été fléchées comme des forces, le patrimoine architectural et culturel, la richesse du tissu associatif. Les objectifs pour répondre à ces problématiques, favoriser l'accès à la pratique des sports pour tous sur l'ensemble du territoire, avec la création, par exemple, de portails numériques dédiés à des publications centralisant l'information des associations. C'est surtout le faire savoir, je pense qu'on a le savoir-faire. Le soutien aussi aux pratiques émergentes, comme les sports urbains et les sports de glisse, qui pourraient constituer un axe très important de développement. L'idée aussi de déplacer l'offre culturelle vers les habitants. Exemple, action précise, développer des spectacles itinérants. Au milieu de tout ça, c'est évidemment de diffuser l'offre culturelle sur tout le territoire et de valoriser le dynamisme de nos initiatives associatives. On cite aussi, j'ai envie de le citer, on a envie de mettre en avant et on veut faire de Lorient Agglomération un territoire phare de la culture bretonne. Et ben, une action pourrait être cette fameuse création de la maison de la culture bretonne. Voilà, c'est dit. Donc, oui, dis-le en breton. Merci Ronan. C'est aussi ça la complicité, la complémentarité quand vous avez un vice-président qui ne parle pas breton.
et un vice-président qui parle breton. Donc voilà pour l'enjeu 1. Je vous ai expliqué un peu les modalités. J'en ai cité quelques thématiques. J'espère que les contributeurs s'y sont retrouvés. Et je vais les laisser la parole. Qui c'est qui est juste après moi? Bah, c'est Ronan, sans doute. Voilà. Merci, Marc. Je vais effectivement maintenant donner la parole à Ronan Loas pour la présentation du deuxième axe. Super. Merci, Monsieur le Président, cher Fabrice, Monsieur le Vice-président, cher Marc, chers collègues, ainsi que vous tous. C'est rare d'avoir du public, et ce qui montre bien que tout l'intérêt de parler projet, d'avoir un peu de prospective dans notre rôle d'élu. C'est ça que je suis heureux d'être avec vous ce soir à l'occasion de cette séance extraordinaire, puisque consacrée au projet de territoire. C'est vrai que près d'un an et demi après notre élection en mars 2020, il nous fallait une feuille de route partagée pour avancer ensemble avec des objectifs communs et surtout des objectifs partagés, puisque il est bien de rappeler qu'une agglomération, c'est un EPCI, un établissement public de coopération intercommunale. Et ce projet de territoire a été mené en concertation avec la population, ce qui lui donne toute sa valeur, car il ne s'agit pas de réflexion de quelques élus, aussi brillants soient-ils, mais il s'agit de réflexion qu'on a pu tout citer, tous les contributeurs, et je ne vous ferai pas l'affront de citer à nouveau tout le monde, mais c'est un travail qui a une véritable approche collective, collaborative et participative. Il nous fallait donc un cap. Ce document le fixe et s'articule autour de 5 axes majeurs déclinés en enjeux stratégiques. Le propre des marins, c'est de voir loin, et sans aucun jeu de mots avec horizon, Monsieur le Président, mais surtout de tenir la barre. Le Pays de l'Orient, de par ses spécificités, ne pouvait y échapper. Quant à moi, j'ai l'honneur donc de vous présenter l'axe 2, rayonner. Donc, rayonner, selon le dictionnaire, signifie de se propager par rayonnement, faire connaître nos territoires pour attirer des habitants, des projets, de la richesse culturelle, financière et pour créer des emplois. Rayonner pour rendre nos territoires attractifs et dynamiques. Ce deuxième axe du projet de territoire est décliné en 4 enjeux majeurs que je vais vous détailler brièvement. L'Orient Agglomération est un territoire d'emploi et d'opportunités à l'économie innovante stimulée par ses filières d'excellence. Nous avons encore pu le constater récemment au vu des perturbations que nous avons connues, mais ce qui caractérise notre territoire dans ce domaine est sa capacité à s'adapter aux changements tout en conservant son héritage historique. Nous avons la chance d'être reconnus comme un territoire jeune et un territoire dynamique qui héberge de nombreuses entreprises de pointe et laboratoires de recherche. Il y a 80 000 emplois dans le bassin lorientais, dont 3 400 directement liés au domaine de la pêche, qui reste un marqueur fort aussi de ce territoire. Mais nous sommes aussi un territoire agricole exigeant, avec 460 exploitations et près de 40% des terres cultivées dédiées au bio ou au circuit court. Avec également un campus de 7000 étudiants et 430 enseignants-chercheurs répartis en 11 labos, l'UBS s'affirme comme une université qui compte et permet de rayonner également dans le monde scientifique. Les habitants ont témoigné d'une volonté extrêmement forte de pouvoir vivre et de pouvoir travailler ici sur notre territoire. Et pour répondre à cette envie, le projet territoire va bien évidemment accompagner le développement économique sur le territoire et mettre les filières de formation en cohérence avec les besoins. Et je ne vais pas y aller par 4 chemins. Nous voulons garder nos entreprises et en attirer d'autres pour créer de l'emploi et de la richesse. C'est vrai que le vice-président Folézou n'est pas là, mais on connaît toute sa mobilisation sur le sujet. Et pour cela, nous nous appuierons sur les filières stratégiques en encourageant l'innovation dans tous les domaines. Nous sommes également un territoire d'excellence maritime grâce à nos 135 km de côte, de trait de côte. Et c'est dans notre ADN, car ce territoire s'est en grande partie construit et développé autour de sa rade, de ses activités maritimes. Et nous en avons gardé une tradition d'ouverture sur le monde qu'il faut cultiver, ainsi qu'une forte adaptabilité aux résiliences face aux événements qui ont pu aussi impacter notre territoire. Les entreprises donc du maritime sont les plus gros employeurs du secteur, avec plus de 8000 emplois, ce qui fait de notre territoire le deuxième pôle maritime breton, avec 19% des emplois régionaux. Et nous rayonnons déjà beaucoup dans ce domaine, mais il nous faudra conforter ce statut de leader qui dépasse bien les frontières nationales, que ce soit pour la pêche, la construction, réparation navale, la défense ou la course au large. Le pays de l'Orient est devenu incontournable. Il faut poursuivre nos efforts dans ce sens et surtout investir pour moderniser nos équipements structurants. Il faut ressortir de la concertation un besoin de lisibilité de notre stratégie maritime qui impliquerait tous les acteurs du domaine. Cela nous permettra de valoriser notre savoir-faire. Vous pourrez voir un début de réponse dans la mise en œuvre de l'INNO Campus, la labellisation Campus des métiers, les qualifications autour des excellences maritimes ou encore dans l'évolution du rôle de l'Orient Port Center.
Mais je vous parle là d'un aspect très industriel de ces dossiers. Nous ne négligerons pas le nautisme, car notre ambition en la matière n'est ni plus ni moins que de faire de l'Orient la grande capitale internationale en la matière. Le nautisme, donc, allant du plaisancier jusqu'au pôle de course au large, qui est en train de s'imposer, si ce n'est qui s'est imposé comme référence mondiale. Et tu citais encore notre seul point de comparaison, c'est finalement Auckland en Nouvelle-Zélande dans le monde. Et un vrai point effectivement de comparaison et d'excellence sur notre territoire. Le deuxième enjeu dont je viens de vous parler serviront indéniablement à l'avant-dernier enjeu de l'axe rayonné. Nos actions autour du développement économique ne seront pertinentes que si elles sont naturellement tournées vers l'emploi. 80 000 emplois donc dans les 5 622 établissements privés présentent en partie sur les 1 300 hectares de zones d'activité du pays de l'Orient. Les données de l'équation sont posées et il nous faut pour demain trouver un équilibre entre la nécessaire transition de l'économie de proximité et le soutien aux pôles économiques majeurs. Pour cela, plusieurs leviers vont être actionnés avec la création d'une marque territoriale, le portail Entreprendre l'Orient-Bretagne Sud qui servira de point d'accès privilégié pour toutes les initiatives. Des équipements structurants tels que l'aéroport ou un nouveau centre de congrès vont nous permettre de rayonner. Nous poursuivrons notre travail via la mission locale pour faciliter l'insertion et surtout l'accès à l'emploi des jeunes. Enfin, nous allons offrir une identité commune, un point de référence qui, tel un étendard, permettra de se revendiquer d'un territoire. J'en terminerai avec la présentation de cet axe avec l'enjeu touristique. Nous avons une chance inouïe de conjuguer dans un même territoire, la mer, la rade et les vallées. Notre diversité patrimoniale, culturelle, nos richesses naturelles contribuent à faire de notre territoire une destination touristique prisée. Les touristes viennent chercher tout autant l'authenticité que l'audace et la nouveauté, mais une tendance se dégage nettement, une volonté de tourisme durable, et cela entre en résonance avec les autres enjeux évoqués. Il ne faut pas négliger cet aspect touristique qui génère près de 3000 emplois, 5% des emplois du territoire et représente 7% du PIB du pays de l'Orient. Mais ainsi que je vous l'exposais, il faudra diversifier l'offre touristique en s'appuyant sur nos points forts, tourisme maritime, tourisme événementiel, le fil naturellement, le tourisme culturel, le tourisme vert. Et pour faciliter la promotion de notre territoire, nous miserons sur la labellisation en explorant des pistes qui tiennent compte de nos spécificités, comme le lien évident avec un accueil privilégié pour les porteurs de handicap. Tourisme handicap est un label qui se déploie de plus en plus sur le pays de l'Orient, alors que le pays héberge effectivement et pleumeur en particulier le centre de rééducation de Kerpap. On a évoqué le projet HIT, mais notre renommée sur le sujet n'est plus à démontrer. L'inclusion ne s'arrête pas aux bâtiments, aux pièces, mais à l'intégralité des politiques de l'agglomération. Donc le nouveau schéma de développement touristique, combiné à la valorisation de notre patrimoine, nous permettra d'intensifier notre rayonnement en la matière. Mes chers collègues, je pourrais poursuivre bien plus longtemps sur ce sujet qui me passionne et qui est naturellement passionnant, mais il y a d'autres axes à découvrir. Merci, Monsieur le Président. Merci, Romain Loisse. Je vais donner la parole à Annie Guillet, qui va nous présenter l'axe 3. Monsieur le Président, mes chers collègues, mesdames et messieurs. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. La nature, mutilée, surexploitée, ne parvient plus à reconstituer et nous refusons de l'admettre. L'humanité souffre. Elle souffre de mal développement au nord comme au sud. Et nous sommes indifférents. La terre et l'humanité sont en péril et nous en sommes tous responsables. Alors, j'ai commencé mes propos par ces quelques mots d'un président de la République lors de son allocution au sommet du Mondial du Développement Durable des Nations Unies de Johannesburg le 2 septembre 2002. 19 années plus tard et en pleine COP26 à Glasgow, en dépit d'une mondialisation croissante des acteurs à toutes les échelles du territoire et de la multiplication d'initiatives dans de nombreux domaines, les enjeux de développement durable demeurent toujours et encore extrêmement prégnants. Nous le savons tous, et nous ne pouvons l'ignorer. Les activités humaines sont responsables de notre planète d'une hausse moyenne de 1,1 degré depuis l'époque pré-industrielle. Bien évidemment, notre territoire n'échappe pas à ce phénomène. Je vais vous donner quelques chiffres. Les énergies fossiles, ressources limitées et non renouvelables, dont la combustion massive est responsable du réchauffement climatique et de la dégradation de l'air, représente aujourd'hui 82% de l'énergie primaire consommée dans le monde.
À Lorient Agglomération, la consommation de ces énergies fossiles est de l'ordre de 70%, comprenant 42% de produits pétroliers et 28% de gaz naturel, sans prendre en considération la part d'électricité produite par centrale thermique. Je vous rappelle que les deux tiers de la facture énergétique de notre territoire, qui représente 427 millions d'euros par an, sont payés directement par les ménages, 2860 euros par an et par ménage en moyenne, et sont répartis pour la moitié pour les déplacements et pour l'autre moitié pour le logement. Un autre chiffre important, à Lorient Agglomération, 11,5% des ménages se trouvent en situation de précarité énergétique. Le projet de territoire dont on débat ce soir propose de nombreuses pistes pour répondre localement, avec les moyens et les leviers d'action dont on dispose, aux enjeux climatiques planétaires en s'inscrivant dans une volonté de relever les défis suivants. Concilier l'accueil de nouveaux habitants et d'emplois tout en conservant un cadre de vie agréable. Allier le développement économique de notre territoire dans un souci permanent de développement durable et de transition écologique. Conforter le territoire de Lorient Agglomération comme étant une agglomération à haute qualité de vie qui veille au bien-être et au maintien de la bonne santé de chacun de ses habitants au travers d'initiatives individuelles qui contribuent positivement à l'intérêt général, au collectif. Dans les prochaines décennies, pour parvenir à réussir sa transformation écologique, Lorient Agglomération devra répondre aux trois enjeux stratégiques qui vous sont proposés et que je vous rappelle. Donc en premier, repenser nos mobilités du quotidien. En second, s'organiser pour répondre au changement climatique. Et en troisième, devenir exemplaire en matière de transition écologique et énergétique. Je ne vais pas vous décliner les détails de ces trois enjeux stratégiques, mais je vais développer l'enjeu crucial de la transition énergétique sur notre territoire. Nous devons avoir l'ambition forte de devenir un territoire d'excellence environnementale et énergétique à l'horizon 2030. Cet aspect a été fortement exprimé dans les différentes séquences de consultations qui ont été organisées au cours de l'élaboration de ce document. Marc, j'en profite pour te féliciter et te remercier pour l'implication que tu as mise dans ce projet de territoire. Des actions exemplaires ont également été engagées en faveur de l'environnement. J'ai pu le constater dans le cadre de mes récentes prises de fonction à la compétence de gestion et valorisation des déchets, combien Lorient Agglomération est précurseur dans ce domaine. Aujourd'hui, il faut renforcer nos ambitions en s'engageant dans une démarche volontariste fondée sur une décarbonation de nos énergies. Il faut à présent accélérer les changements de pratiques pour réduire l'impact de chacun. Être exemplaire dans notre quotidien doit être notre leitmotiv. La dynamique en faveur des énergies renouvelables et réutilisables, énergie marine, bois, solaire, est à consolider pour en faire une véritable filière économique qui constitue un relais de croissance. Cette ambition s'appuie sur une stratégie structurée autour de l'hydrogène vert et du gaz naturel vert pour décarboner les transports terrestres et maritimes. La réalisation de stations de distribution d'hydrogène vert en lien avec le renouvellement de la flotte de bus et de Transrat à hydrogène et ou à GNV vert en seront les premières concrétisations. Je rappelle la singularité de notre territoire sur le fait que les émissions de gaz à effet de serre sur les transports représentent 37% contre 27% en moyenne en France. Monsieur le Président, mes chers collègues, vous l'aurez parfaitement compris, l'énergie est au cœur du développement de notre territoire. Nous devons nous diriger vers une nécessaire sobriété énergétique de nos déplacements ou de notre habitat, pour également vers une nécessaire forme de souveraineté énergétique. L'enjeu énergétique, donc climatique, est aussi un enjeu économique de taille pour notre territoire. Au cours de l'élaboration de ce document, Monsieur le Président, Marc, nous avons bien perçu à quel point les attentes de nos concitoyens sont fortes en la matière. Conscients de notre qualité de vie, liée à la proximité immédiate d'espaces naturels entre terre, mer et vallée, les habitants de Lorient Agglomération sont très sensibilisés aux questions d'environnement et de changement climatique. Peut-être qu'ils l'observent quotidiennement dans leur proximité à la nature que nous offre notre territoire. Sans tomber dans les travers d'une forme de déclinisme ou de catastrophisme, notre projet de territoire, dans son axe 3 transformé, est à la fois ambitieux et innovant, propose des pistes riches et variées pour engager notre territoire dans une profonde et structurante transformation écologique. L'objet est d'innover pour une agglomération durable
en s'appropriant les enjeux de développement durable dans nos politiques de mobilité, d'habitat, d'aménagement, d'urbanisme, comme levier d'un développement responsable et d'un cadre de vie désirable et préservé pour toujours mettre en valeur nos nombreux atouts naturels. Je vous remercie. Merci, chère Annick, pour la présentation de cet axe 3. Donc, nous avons présenté pour l'instant l'axe 1, vivre ensemble, qui est un peu l'objectif majeur de ce projet de territoire. L'axe 2, rayonner, avec notamment les aspects développement économique. L'axe 3, transformer, et l'importance de la transformation écologique et énergétique et la révolution des transports. Et donc, désormais, l'axe 4, qui est aussi très important, l'axe équilibré que va présenter Antoine Pichon. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, je ne serai pas un ancien président de la République à la tribune de l'ONU parce que je me sens un peu plus modeste. Marc Aurèle disait « Il est du destin des êtres très purs de passer inaperçu ». C'est un peu mon ambition. Mais je serai beaucoup plus rébarbatif. C'est pas forcément très modeste, cher Antoine. Je serai beaucoup plus rébarbatif. Je veux vous parler quelques chiffres. Nous avons, voici 10 jours, reçu la publication d'un rapport de la DGAFP. Est-ce que vous connaissez peut-être pas? Je vous avais prévenu que je serais plutôt rébarbatif, voire techno. La DGAFP, c'est la Direction Générale de l'Administration et de la Fonction Publique. Et elle a donné un rapport sur le taux d'administration des régions françaises. Oui, mes chers collègues, j'ai un bon ami qui m'a demandé effectivement qu'on puisse préciser les sigles. On est des spécialistes des sigles, mais ne comprennent pas toujours. Donc faisons l'effort tous ensemble de donner la précision des sigles que nous employons. Cher Président, ce taux d'administration, c'est le nombre de fonctionnaires d'État, hospitaliers et territoriaux pour 1000 habitants. C'est un taux, voilà. Hors les militaires. Donc. Sa moyenne en France est de 73 fonctionnaires pour 1000 habitants. Outre-mer, 90 pour 1000. En Corse, ça n'étonnerait personne. Et en Île-de-France, 82 pour 1000. Encore que pour l'Île-de-France, c'est lié simplement au fait qu'il y a des administrations centrales et donc le taux est supérieur. En Bretagne, on est environ à la moyenne, à 73 pour 1000. Les Pays de Loire étant le plus bas, pour information, dans les régions, c'est à 64 pour 1000. Je vous donne ces chiffres simplement pour vous dire qu'à l'échelle de notre territoire, il faut essayer de rapprocher les écarts existants et donc il faut faire en sorte d'équilibrer le territoire. Le président l'a dit, ce territoire il est vaste, il est divers. Et donc l'axe équilibrer le territoire de l'agglo se traduit par 3 petites phrases. L'équilibre du territoire s'entend comme un enjeu central pour sa cohésion elle-même. Son développement doit se faire autour des pôles de centralité qui sont garants d'un accès pour tous aux fonctions et aux services. Et le maintien du cadre de vie sur tout le territoire, littoral comme rural, sera gage de réussite pour l'avenir, c'est-à-dire notamment, cette troisième partie, c'est réduire la fracture numérique existante. Alors, il y a deux chapitres dans cet axe, vous les voyez là, un territoire équilibré entre ville et ruralité et un territoire numérique. Alors, sur le territoire équilibré entre ville et ruralité, il y a des chiffres, il y a un constat, c'est... Les chiffres sont assez bruts. 62% des habitants sont dans les 5 plus importantes communes de notre PCI, donc notre établissement public de coopération intercommunale. Vous le savez, il y a 5 lycées, Lorient, Lanester, Plumeur, Hennebont, Port-Louis. Il y a 4 maisons de services qui s'appellent France Service, une à Groix, ça peut très bien se comprendre, à Riantec, ça se comprend très bien, à Plouet aussi, dans les Axes, et à Lorient. Chercher l'erreur. Pourquoi, alors qu'il y a une sous-préfecture, la CAF, les impôts, la DGF, il y a tout le monde, pourquoi est-ce qu'on a une maison France Service à Lorient? Chercher l'erreur. Nous avons en revanche, sur cet axe et sur ce chapitre du territoire équilibré, 3 objectifs, qui sont partagés d'ailleurs avec l'État sur son territoire. Développer les pôles de centralité, assurer la proximité et l'accessibilité des services publics et valoriser les atouts de la ruralité. Sur développer les pôles de centralité, l'objectif, il doit apparaître dans des documents cadres, c'est-à-dire il doit être dans le SCOT et dans les PLU, c'est évident. Madame la Présidente du Conseil de développement sera contente parce qu'on a mentionné effectivement la revitalisation des centralités avec une dynamisation économique et sociale des centres-bourgs, avec des tiers-lieux qui sont importants et des espaces de coworking.
Il faut aussi répartir opportunément les pôles d'emploi sur l'ensemble du territoire. Je pense, moi, à des axes qui existent et qu'on connaît bien, développés le long de la route nationale 24, de la RN 24, c'est-à-dire la Lorient-Rennes, à Languédic notamment, et vers le nord, le long de l'axe Lorient-Roscoff, à Ploué, évidemment. Le deuxième objectif, assurer la proximité et l'accessibilité des services sur tout le territoire. Donc, c'est qu'est-ce qu'on demande à notre agglomération ? C'est accompagner les communes pour faire en sorte qu'il y ait une organisation, une répartition équilibrée. Jusqu'à présent, il n'y avait pas forcément un schéma de déploiement des maisons France Services. Je pense qu'il faut le mettre en œuvre. Et donc créer ces maisons de services publics qui s'appellent maintenant Maison France Services, et il ne faut pas exclure le fait de mettre des indicateurs, par exemple de dire ben voilà, il y aura un nombre de maisons de services publics qui seront déployées pendant la mise en œuvre de notre projet de territoire. Troisième objectif, valoriser les atouts de la ruralité, les espaces ruraux nécessaires à un territoire qui s'urbanise de plus en plus, et donc il faut conforter la trame verte et bleue. Et là, il y a une vraie coordination par le PCI. Ça a du sens que ce soit notre agglomération, plutôt que chaque commune qui définisse sa trame verte et bleue. Il y a une cohérence sur le territoire. Les atouts ruraux doivent profiter aux zones urbaines aussi, évidemment, à côté des aménités que nous apportons par les chemins de randonnée, le poumon vert de la conurbation. Il faut aussi développer tous les circuits courts avec des AMAP, les paniers maraîchers, tout ce qu'on connaît, et intégrer l'agriculture dans les espaces citadins, par exemple en mettant en place des fermes urbaines, comme à Lénestet, ou pas simplement pour faire des parcs à thème, mais bien avec une production effective. Dans les exemples, il y a donc les espaces de coworking dont on a parlé, les 13 lieux, les tiers lieux sur le territoire. Là, l'indicateur est aussi assez aisé à mettre en place. Sur les pôles de proximité pour l'accès aux services publics, je l'ai dit. Moi, je pense que, en plus des quatre dont on a parlé, Languidic, Ponchecorps, enfin, il y en a d'autres qui méritent d'être effectivement une maison labellisée France Services. Le deuxième chapitre, c'est le numérique, un territoire numérique. L'enjeu majeur, c'est de rompre avec la fracture numérique et donc d'obtenir l'accès au numérique pour tous. Là aussi, il y a des chiffres et des constats. Ronan Loas nous a rappelé que cette richesse économique du territoire est aussi dans le numérique. Il y a 1600 emplois dans le numérique, essentiellement en urbain, évidemment. 70 entreprises de technologie en lien avec le numérique sur le territoire. Il y a un laboratoire de recherche, plusieurs Fab Labs, mais aussi, il y a des zones blanches. Et il y a des communes qui ne sont pas couvertes par la fibre et qui ne le seront pas avant 3 ans. Donc, les objectifs de notre projet de territoire, c'est faire de l'Orient agglomération un territoire 100% connecté, déploiement du numérique sur l'ensemble du territoire et développement de la fibre. Évidemment, on n'est pas tout seul. Cette affaire est faite dans un programme régional, avec le département aussi, avec Mégalis. Mais il y a du retard accumulé qu'il faut effectivement rattraper. Ensuite, structurer un véritable territoire intelligent, une smart city dans l'urbain, sous la responsabilité de Patricia Kerr-Ruen, qui fera ça. Deuxième objectif, accompagner la transition numérique de tous les usages, donc favoriser, promouvoir les innovations numériques, accompagner l'ensemble des usagers. C'est important parce que pour l'usage du numérique, on a parlé avec le commerce il y a un an, au moment du Covid, de la plateforme d'achat mutualisée, Colin Collect, c'est bien, mais il y a aussi le déploiement des conseils numériques. Et ça, nos concitoyens les attendent, c'est très vrai. Dans les maisons de services publics, bien sûr, mais aussi, on peut en mettre ailleurs. Et là, l'indicateur est simple, c'est le nombre de conseils numériques déployés sur le territoire. Et là, il y a une vraie coordination à avoir par notre agglomération et par la direction des systèmes d'information, par exemple. Enfin, troisième objectif, agir pour un numérique responsable qui soit accompagné d'une responsabilisation sociétale et environnementale en mentionnant l'importance de la gestion et de la protection des données. Je ne sais plus, il y avait un certain nombre d'entre vous qui étiez samedi à l'atelier sur les cybercriminalités qui a montré à l'Assemblée générale des maires toute l'importance d'un appui des intercommunalités sur ce sujet. Je pense que là, on a des choses à faire. Et puis, il est prévu de lancer dans notre projet de territoire la révision du schéma territorial numérique, considérant ces nouveaux usages. Pour terminer,
Donc il y a des, on le sait bien, il y a des attentes fortes de nos concitoyens. Ils demandent d'organiser le rééquilibrage des services publics sur le territoire, en partenariat évidemment, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs, de déployer de la fibre sur tout le territoire et d'aider les usagers à l'emploi de l'outil numérique. Notre projet de territoire consiste, dans le cadre des programmes nationaux ou régionaux existants, à accompagner les communes pour réaliser ces attentes et au-delà, pour coopérer plus avant entre elles. D'où l'axe coopérer à suivre, évidemment. Mon point de vue final, je vous dirais que sous le pilotage enthousiaste de Marc Bautruche, je trouve que ce fut un bel exercice et qu'il faut maintenant le mettre en œuvre. Je citerai un mot de Joseph Joubert. Le génie commence les beaux ouvrages, mais seul le travail les achève. Merci, Monsieur le Président. Bravo. Merci, Antoine Pichon, pour cette très belle dernière citation. Et puisqu'il m'invite à présenter le dernier axe, je vais donc le faire assez rapidement maintenant, en vous disant que au démarrage du processus d'élaboration, l'axe coopérer ne s'imposait pas. Mais effectivement, au fil des réflexions, il est apparu évident que l'Orient Agglomération devait s'ouvrir, d'abord auprès de ses partenaires dans le département, pour porter des politiques importantes en matière d'eau, d'énergie, de déchets, de transport, d'habitat, de SDIS, Service d'incendie et secours. Nous avons besoin de travailler en coopération avec nos partenaires départementaux. Et au-delà, c'est bien une ouverture régionale et même une ouverture à l'international qui fonde en partie l'attractivité de notre territoire et le fait que l'Orient Agglomération ne le dira jamais assez, avec ses 209 000 habitants, est le troisième pôle breton après la métropole de Rennes et la métropole de Brest, qui, avec ses 212 000 habitants, finalement est très près de nous en termes de puissance de population. Et donc, notre axe coopérer, c'est un territoire acteur du rééquilibrage de la Bretagne qui s'articule autour de trois enjeux. D'abord, un territoire qui impulse la solidarité communautaire. Ce que nous avons voulu dire par là, c'est qu'il y a nécessité de renforcer la proximité de l'agglomération auprès de ses communes membres. Ça peut aller de soi, ça ne l'est pas tant que ça. Et nous savons que nous devons intensifier les collaborations entre nos services communautaires et communaux. Il y a une ingénierie administrative de qualité qui existe au sein de l'agglomération, au sein de nos services, et il nous faut plus souvent que nécessaire la mettre davantage au service des communes. Nous devons étudier sans doute davantage de mutualisation, ça vaut notamment pour tout ce qu'on appelle les services fonctionnels, et je pense notamment aux services informatiques, par exemple la commande publique, les conseils juridiques. Nous devons assurer un accueil de proximité du public et des usagers, et là, il y a là un champ de réflexion qui répond d'ailleurs en partie à l'interrogation d'Antoine Pichon, comment nous pouvons faire en sorte que l'agglomération, en redéployant des moyens existants, sans mobiliser de nouveaux moyens, puisse davantage présente en proximité sur le territoire. C'est une grande ambition qui n'est pas si simple que ça à relever, mais nous l'inscrivons comme enjeu dans notre projet de territoire. Et puis la mise en place de groupes de travail entre agents et élus du territoire. Quand nous parlons des élus du territoire, il s'agit des élus communautaires, mais aussi des élus communaux qui doivent davantage travailler ensemble pour mettre en œuvre les bonnes pratiques et les retours d'expérience sur nos politiques publiques. Deuxième enjeu, faciliter les coopérations entre nous et les communes. Il y a la dimension de l'intercommunalité dans ses rapports avec les communes membres, et puis il y a le travail partenarial que les communes peuvent mener entre elles et qui doit être renforcé. C'est faciliter les relations entre les communes de l'Orient Agglomération. Je citerai un exemple récent et le travail en réseau des adjoints aux affaires sociales qui a permis d'accélérer le travail dans la mise en place d'un lieu d'accueil pour les victimes de violences intrafamiliales, essentiellement les femmes, il faut bien le dire, eh bien, c'est le résultat aussi d'un travail partenarial mené avec l'État, mais mené entre les adjoints aux affaires sociales de nos 25 communes. Et c'est très important, ça montre tout l'intérêt de la dimension du travail entre les communes. Intensifier les collaborations entre les communes, c'est aussi penser mutualisation de matériel et d'équipement. Quelquefois, pourquoi aller se doter de matériel, d'acheter des matériels quand on peut peut-être demander des prêts auprès de communes voisines. Ça peut paraître, encore une fois, évident pour ceux qui nous écoutent. Ça n'est pas tant que ça, et nous l'inscrivons comme objectif dans le projet de territoire. Et enfin, créer des liens et des synergies entre les projets communaux eux-mêmes, bien entendu. Ça veut dire que quelques communes peuvent se mettre d'accord pour mener une politique publique. C'est le cas en ce moment, par exemple, pour le renforcement de services de police entre quatre communes qui ont décidé de créer une police intercommunale. Troisième objectif de cet enjeu,
améliorer l'implication des communes au travers d'une gouvernance communautaire partagée. C'est une gouvernance communautaire plus lisible, mieux partagée pour l'ensemble des élus du territoire, mais aussi pour l'ensemble des acteurs socio-économiques et des habitants. Mieux expliquer nos politiques en renforçant nos outils de communication, non pas à la gloire de tel ou tel dans l'exécutif, mais bien pour expliquer beaucoup mieux le sens des décisions prises et le sens des politiques publiques menées au sein de l'agglomération. Le constat que nous faisons régulièrement, c'est que peu de nos concitoyens savent vraiment quelles sont les politiques publiques menées par l'agglomération. Nous devons davantage faire progresser la connaissance en la matière. Et donc, il s'agit aussi de structurer les modalités de gouvernance et de coopération entre l'interco et les communes. Et c'est la question du pacte de gouvernance dont nous discuterons dans les prochains mois au sein de l'agglomération. Deuxième enjeu stratégique, un territoire qui s'appuie sur la participation des citoyens et des acteurs socio-économiques. Il s'agit effectivement de permettre une plus grande implication des citoyens, des usagers, des acteurs socio-économiques dans la réflexion et la mise en œuvre de nos projets structurants. La mise en œuvre de parcours usagers, de comités de suivi est une première réponse. Il y en a d'autres, comme les méthodes d'évaluation qui peuvent se fonder notamment sur la définition d'indicateurs. Nous avons parlé tout à l'heure d'indicateurs, comment mesurer l'évolution des actions du projet de territoire. Eh bien, il nous faudra définir ensemble, ça a été souligné par le CDPL, des indicateurs objectifs qui nous permettront de mesurer la pertinence et la réalisation des objectifs que nous avons définis ensemble. Faire reconnaître l'action de l'agglomération auprès des citoyens et des acteurs socio-économiques, c'est assurer encore une fois la transparence des circuits de décision et la bonne information pour rendre aussi plus accessibles sans doute nos documents. Je taquinais tout à l'heure Antoine Pichon pour parler des sigles. Nous avons l'habitude quelquefois de l'emploi d'un vocabulaire technocratique qui n'est pas toujours compris ou compréhensible par nos concitoyens. Il nous faut aussi là faire preuve de plus de pédagogie pour mieux expliquer la façon dont nous menons nos politiques et par exemple effectivement davantage expliciter les sigles que nous employons à foison. Et je ne suis pas le dernier à le faire, je le reconnais. Conforter le rôle du Conseil de développement du Pays de l'Orient dans nos dynamiques participatives et permettre peut-être au CDPL de mieux connaître la réalisation de nos politiques publiques communautaires, ce qui est un axe de progrès nécessaire entre nous. Enfin, troisième objectif, un territoire qui renforce ses coopérations au-delà de ses frontières. Je l'ai dit, nous sommes la troisième agglomération de Bretagne. Nous sommes un pôle d'équilibre face aux métropoles du Grand Ouest, j'ai envie de dire, parce qu'il y a Rennes, il y a Brest, mais il y a Nantes en Bretagne. Et donc, nous devons nous affirmer aussi comme pôle d'équilibre face à ces trois grandes métropoles et la nécessité d'engager effectivement les coopérations nécessaires avec nos territoires voisins. Cela veut dire que nous avons deux niveaux de coopération. Les territoires voisins, c'est, on l'a dit, Quimperlé-Communauté, Bellevue, Blavet-Océan, avec lesquels nous pouvons construire véritablement des politiques de coopération beaucoup plus denses, je pense en matière notamment de mobilité, mais ça peut être en matière de développement touristique, en matière de partage de documents d'urbanisme. N'oublions pas que le SCOT est aujourd'hui le schéma de cohérence territoriale organisé au niveau de nos trois territoires, Lorient Agglomération, Quimperlé-Communauté et Bellevue-Blavet-Océan. Et puis, ce niveau de coopération peut s'étendre à d'autres territoires voisins, le territoire du Roi-Morvan, le territoire de Pontivy-Communauté, d'Acta et de Centre-Morbihan, avec lesquels nous avons aussi des possibilités de coopération beaucoup plus intenses sur beaucoup de politiques publiques. Et puis, un deuxième niveau de coopération du territoire, il s'agit de l'ensemble de l'arc Sud-Bretagne, c'est-à-dire ce grand arc qui part de Quimper, j'ai envie de dire, jusqu'à Nantes-Saint-Nazaire. Nous savons que beaucoup de nos entreprises, de nos bassins économiques sont vraiment attirés, peut-être davantage d'ailleurs vers l'Est, hein, c'est-à-dire vers Nantes-Saint-Nazaire. C'est le cas notamment pour l'ensemble de nos activités maritimes, mais aussi dans l'agroalimentaire. Et nous avons là un axe structurant à travailler en matière de coopération. Enfin, développer nos coopérations aux échelles nationales et internationales. Le territoire de l'agglomération a toujours été un territoire ouvert sur le monde. Maire de Lorient le sait bien, la ville est née du commerce international et a porté de ce point de vue l'ensemble du territoire. Nous devons être un territoire qui continue à être ouvert au monde, notamment à l'Europe. Et donc il s'agit de pouvoir s'arrimer aux réseaux d'influence européens et internationaux en s'appuyant sur nos filières d'excellence, nos capacités exportatrices. C'est encore une fois valable pour l'agroalimentaire, la pêche, le maritime, tout ce qui fait effectivement l'excellence économique de notre territoire. Et nous avons aussi des partenariats à renforcer, notamment en matière de recherche et de formation. C'est la place
notamment de notre université de Bretagne Sud, en lien avec les autres universités bretonnes et françaises. Enfin, intégrer et animer des réseaux de jumelage avec d'autres territoires pour consolider nos savoir-faire en matière d'énergie décarbonée, d'énergie renouvelable, en matière de nautisme, de pêche, de handicap. On n'oublie pas que le programme HIT a une résonance nationale. Le programme donc Handicap Initiative Territoriale a une résonance nationale et ce que nous faisons ici doit pouvoir aussi servir d'exemple pour d'autres territoires voisins. Voilà ce que je voulais dire très brièvement en matière de présentation de l'axe 5 coopérer. Chers collègues, mesdames et messieurs, nous avons terminé la présentation de ces axes. Je vais donc maintenant ouvrir le débat avec les groupes en notant notamment que le groupe Coopération Terre et Mer a présenté un amendement. Et donc, je suppose que la présentation de l'amendement vaudra présentation de la position du groupe. Et donc, je vais donner la parole tout de suite au représentant du groupe. Qui présente l'amendement ? C'est Rose Morelec. Rose Morelec, vous avez la parole. Merci. Allez-y. Alors, amendement au bordereau numéro 4, projet de territoire de Lorient Agglomération. Depuis son installation en juillet 2020, l'exécutif intercommunal annonce et communique sur l'élaboration du projet de territoire. Ce projet est prévu par la loi du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire, dite loi Voynet. Dès le départ, le groupe Lorient Agglomération Coopération Terre-Mer a affirmé sa volonté de contribuer à ce projet pour l'enrichir en donnant la priorité aux réponses à apporter concrètement aux habitantes et aux habitants de ce territoire en tant que territoire vécu. Pour mener ce travail, le groupe Lorient Agglomération Coopération Terre-Mer a fait le choix d'engager un travail de concertation auprès des élus du territoire pour faire écho à la pluralité de celui-ci sans s'enfermer dans les carcans technocratiques habituels par des aspects juridiques et techniques. Ce sont près d'une centaine d'élus qui ont interagi en atelier, en séminaire et par les réseaux sociaux. Pour nous, pas de bureau d'études, pas de moyens dédiés, juste des élus qui souhaitent remplir leur rôle et exprimer leur ambition pour le territoire, témoignant d'un courage politique, conscient des menaces et enjeux qui sont ceux de notre territoire commun. À l'issue du séminaire du 2 octobre que vous avez organisé, de l'intercommission du 2 novembre, le projet de territoire annoncé par la majorité s'est transformé en un projet d'intention, sans hiérarchisation des objectifs et des actions, sans programme pluriannuel, sans projection financière et des moyens. Face à ce constat, le groupe Lorient Agglomération Coopération Terre-Mer considère qu'un tel projet ne permet pas aux habitants de percevoir en quoi notre agglomération se mettra concrètement au cours du mandat et des prochaines années à leur service pour améliorer leur vie quotidienne, d'autant que la majorité ne s'engage à rien à travers ses intentions. C'est dans ce cadre que notre groupe présente un amendement visant à proposer au vote un projet alternatif tourné vers les habitants et les forces vives inhérentes à notre territoire. Considérant que l'agglomération s'est construite ces dernières années un socle de compétences, développement économique, enseignement supérieur, handicap, collecte des déchets par exemple, sur lequel s'appuyer et pour lesquels l'agglomération a déjà bien été structurée et exerce déjà son rôle de facilitatrice. Considérant que le projet de territoire de Lorient Agglomération doit répondre prioritairement aux fractures subies, qu'elles soient géographiques, sociales, économiques et culturelles, et traiter la question de la précarité, considérant que le projet de territoire doit identifier les politiques publiques sur lesquelles l'intercommunalité doit mener l'exercice délicat de répondre à des besoins de proximité et des ambitions d'intérêt communautaire par la co-construction avec les habitantes et les habitants, considérant que le projet de territoire de Lorient Agglomération doit anticiper pour affronter les crises en cours et à venir, en se plaçant dans un engagement écologique fort et en faisant écho aux multiples ressources sociales, économiques, naturelles, culturelles de ce territoire, et en faisant la clé de son avenir, considérant que le projet de territoire ne doit pas être juste une mosaïque issue de propositions de telle ou telle personne ou commune plus influente qu'une autre, et doit être guidé par l'intérêt communautaire, considérant que le projet de territoire doit être orienté par sa réalisation vers la section d'investissement, compte tenu des compressions attendues sur les finances publiques. Notre projet de territoire alternatif pour Lorient Agglomération s'est construit sur 4 priorités, déclinées en enjeux majeurs et en 65 actions. Priorité 1, le service public intercommunal pour toutes et tous, partout.
L'enjeu global, traiter les fractures spatiales subies en matière de services publics. Priorité 2, un développement économique local intégré et innovant, dont l'enjeu consiste en penser filière du tissu économique à la place de l'habitant, en passant par les richesses propres au territoire et innover collectivement. Priorité 3, un territoire vivant, riche de ses patrimoines naturels, historiques et culturels, à préserver et à valoriser, dont l'enjeu consiste à décliner des boucles alliant terre et mer, reflet des richesses patrimoniales de l'ensemble de notre territoire vivant et vécu. Enfin, priorité 4, une relation de confiance et de proximité avec les habitants et avec les communes. L'enjeu, placer les habitants et les élus municipaux au cœur du projet et non comme spectateurs d'une communication de marketing territorial. Chacune des politiques déclinées au sein de ce projet de territoire est construite en boucle stratégique pour notre territoire intercommunal, comprenant l'investissement, la place de l'usager citoyen, la nécessaire préservation des ressources et l'anticipation sur les changements à opérer pour que cette boucle se renouvelle, perdure et soit moteur pour notre territoire. Le Conseil, après en avoir délibéré, vu le Code général des collectivités territoriales, vu le projet de territoire annexé, article 1 et unique, adopte le projet de territoire alternatif proposé par le groupe Lorient Agglomération, Coopération Terre-Mer. Merci. Alors, nous sommes dans le débat général. La présentation de cet amendement se présentait dans le cadre du débat général. Je vais demander s'il y a d'autres interventions dans le débat général. Oui, André Artero. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Donc, j'essaie de vous présenter assez brièvement, mais d'une façon quand même assez complète. Ce qu'est la position du groupe L'Agglomération avec vous sur le projet de territoire. Alors il y a trois aspects. Nous aimerions revenir sur le contexte de ce projet de territoire, contexte historique, économique, social et politique. Également revenir sur le projet en termes de méthode et de contenu, et également faire 5 propositions pour la suite. Alors concernant le contexte, un contexte historique, et c'est le sentiment que j'ai pour avoir participé depuis un certain temps à la vie politique locale, avant même d'être élu, c'est que tout le monde n'a pas compris que ce serait 20 dernières années, on est passé d'une intercommunalité de gestion à une intercommunalité de projet. Et c'est un point essentiel dans l'administration des collectivités locales en France. Cela se retrouve essentiellement dans des cadres réglementaires qui nous sont aussi imposés. Donc, cette évolution, il faut la rappeler parce que je pense que sur certains dossiers, tout le monde n'a pas compris ce passage de la gestion au projet. L'exemple le plus concret étant le passage sur le plan local d'urbanisme intercommunal. Le deuxième aspect, c'est sur le contexte économique, social et pandémique. On est face à des urgences externes au territoire, comme le Brexit, qui a un impact très très fort sur les incidences sur la pêche et sur le territoire, des éléments aussi internes à nos entreprises, on pense à la SBFM, et je pense qu'on n'est pas encore au bout du tunnel, et je pense qu'il y a des perspectives à trouver, et puis aussi le contexte Covid qui a imposé une réactivité à tout moment, dont a fait preuve d'ailleurs Lorient Agglomération. Dans le contexte, dernier élément, c'est le contexte électoral particulier. Bien malin ici, ceux qui avaient prédit l'alternance politique en 2020 de la ville-centre et de Lorient Agglomération. Cette nouvelle donne démocratique est à prendre en compte. Pour autant, l'intercommunalité sur le pays de Lorient a été basée historiquement sur la recherche du consensus et sur des valeurs de solidarité, la recherche de l'intérêt général. Aussi, nous considérons qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain et notre nouveau projet de territoire doit profiter de cette base solidaire qui me semble solide. De 2010 à 2020, le projet de territoire existait, mais le nouveau cadre réglementaire qui s'imposait aux collectivités, c'est-à-dire les regroupements renforcés, les baisses des dotations, les nouvelles compétences, la transition énergétique, l'a rendu moins visible. Et
moi je le reconnais, en tant qu'ancien vice-président. Aussi, il n'est pas étonnant que le débat ait porté sur la mise en œuvre des compétences, des contraintes institutionnelles et des outils, plus que sur les finalités de l'intercommunalité. Nous considérons que nous ne sommes quand même pas à l'année 1 du projet d'agglomération. Sur le projet lui-même, plutôt concernant la méthode, on a quelques regrets et aussi on voudrait signaler des vertus. Sur les regrets, nous avions proposé d'organiser une première étape pour fixer un cadre politique et déontologique qui donne du sens à la démarche, sous forme par exemple de séminaires d'élus sur ces aspects déontologiques et politiques, mais également pour que justement on équilibre vis-à-vis des outils de gestion, les outils stratégiques qui ont une place prédominante dans nos travaux. Alors je ne vais pas donner que les cycles, le schéma de cohérence territoriale, le plan de déplacement urbain, le plan local de l'habitat, le plan local d'urbanisme intercommunal, la dotation de solidarité communautaire, le schéma numérique, le schéma touristique. L'ensemble de ces outils ont pris plus de place que le sens qu'on devait leur donner. Alors, pour cela, il n'est pas trop tard. Le projet de territoire peut également nous servir de base, justement pour illustrer et voir si on est d'accord sur la façon de gérer les choses. Regret aussi parce qu'au cours des 16 derniers mois, des arbitrages ont dû être effectués sans avoir débattu suffisamment peut-être de ces axes stratégiques principaux. Et on a bien vu au cours des sujets qui étaient un peu sensibles l'importance de ne pas avoir eu plutôt cette instance de discussion entre nous. Alors sur les vertus du projet, la construction du projet de territoire a certainement une valeur pédagogique très forte, à la fois pour les nouveaux et pour les anciens élus communautaires et élus communaux. On aborde là un mandat politique par la co-construction du projet et ça nous apparaît vraiment la bonne démarche. Également, la méthode était vertueuse parce qu'elle a respecté autant que faire se peut les trois principes de base de la participation. On s'est efforcé d'inclure toutes les personnes concernées directement et indirectement par le projet, donc dans l'écoute. Ensuite, on a pris en compte des arguments exposés sans s'attacher au statut de la personne qui parlait. Et ça me semble très important. Et enfin, on a assuré la transparence de la démarche tout au long du processus. Alors cela a permis une participation accrue et un renforcement et un sentiment d'appartenance au pays de l'Orient de la part de la société civile en particulier et du monde économique. Alors sur le fond du projet, les 5 axes ont été présentés, moi je ne reviens pas là-dessus, le projet il est là. C'est bien un point de départ, c'est une vision grand angle qui permet de faire des focales sur une grande majorité des actions que nous avons à engager. Cela va nous aider dans les arbitrages à venir, sans pour autant, je suppose, annuler tous les débats. Le plus dur reste à venir. Ça, on commence à le comprendre largement. Il va falloir arbitrer dans les urgences, trouver de bonnes échelles de résolution des problèmes, choisir dans les cadres juridiques contraints ceux qui permettent l'efficience. Ayant été acteur de la rédaction du projet, donc les membres de notre groupe, l'agglomération avec vous, poursuivront leur implication et apporteront leur contribution pour rendre notre territoire encore plus engagé dans une économie moins carbonée, dans des mobilités améliorées et dans des solidarités de proximité. Alors, nos 5 propositions pour la suite. La première est très simple, c'est simplement suivre régulièrement le projet de territoire. Hors de question de laisser la poussière tomber sur l'étagère du projet de territoire. Cela a déjà été exprimé, hein, la mise en place d'indicateurs, d'outils d'évaluation. Alors nous proposons tout simplement que 2 points d'étape soient effectués avant la fin du mandat. Il sera également essentiel que chaque décision future d'investissement, en particulier de l'Orient Agglomération, soit connectée à l'un des axes du projet de territoire afin de faire sens. Deuxième proposition, c'est acter nos différences et aussi notre ambition partagée pour le pays de l'Orient. J'en ai fait état tout à l'heure, nous avons besoin d'exprimer ce qui fait notre carburant, alors non carboné, d'élus. Nos valeurs républicaines, nos convictions politiques, disons-nous les choses en face et actons nos différents points de vue.
Nous sommes tous là pour servir le pays de l'Orient et non se servir d'une tribune politique. Eh bien, disons-le, faisons-le. Nous sommes capables, par exemple, de définir ce qu'est l'intérêt. Sommes-nous capables de définir ce qu'est l'intérêt général sur des sujets sociaux sensibles, comme l'accueil des gens du voyage, l'accueil des migrants, ou l'aide apportée aux personnes victimes donc de violences intrafamiliales? Ça n'a pas été évident, l'action qui a été menée par les adjoints aux affaires sociales sur ces derniers mois, et il n'y a pas unanimité sur les 25 communes. Sommes-nous capables de porter dans nos communes l'impact concret des décisions qu'impose notre politique environnementale? Troisième proposition, c'est retravailler les outils de planification au regard du projet. Les services de l'Orient Agglomération étaient impliqués dans l'écriture du projet. Et je pense qu'ils auront à cœur de transposer les éléments nouveaux du projet dans les outils structurants que j'ai cités tout à l'heure, SCOT, PLH, PLUI, PMA. Et de nous solliciter, nous élus, pour poser le curseur au bon endroit. Quatrième proposition, c'est identifier et mettre en œuvre des coopérations intercommunales. Ça rejoint totalement ce que vient de dire Fabrice Loher en rapportant l'axe 5. Donc une coopération efficiente. D'une part, dans trois secteurs principaux, la culture, le sport, la santé. Nous sommes très attendus dans ces trois domaines. Nous pouvons nous appuyer sur les forces vives qui attendent depuis trop longtemps que l'Orient Agglomération facilite et accompagne cette coopération. Et le Conseil de développement a souligné cet aspect également. Il aura certainement un rôle pivot à jouer dans cette démarche. Également, coopération par des mutualisations de projets et de services. On peut citer deux exemples d'actualité, le travail qui est fait au niveau des polices municipales sur des périmètres de proximité, sans pour autant prise de compétence de l'Orient Agglomération, bien sûr. La lutte contre la cybercriminalité qui a été abordée par Antoine Pichon et au congrès des maires du Morbihan, on peut très bien l'inclure dans la compétence facultative que nous portons déjà sur le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Dernière proposition, c'est assujettir les contributions de l'Orient Agglomération donc vers les communes, les assujettir au projet de territoire. Cela apparaît comme une évidence. L'Orient Agglomération ne pourra pas soutenir l'ensemble des collectivités dans tous les domaines. Aussi, les fonds de concours communaux, numériques, ruraux ou autres doivent s'inclure dans le projet de territoire. Alors, Monsieur le Président, voilà les points principaux que nous voulions porter au débat sur le projet de territoire. Nous allons aborder une autre phase, bien plus délicate, où la créativité et l'enthousiasme que soulève tout projet vont se confronter à la dure réalité de sa mise en œuvre. Gouverner, c'est prévoir. En cela, le projet nous donne un cadre. Mais gouverner, c'est aussi arbitrer et renoncer. Un travail important est maintenant engagé avec les services de l'Orient Agglomération et aussi forcément les différentes collectivités qui ont pu être citées, les partenaires économiques et sociaux, le monde associatif, afin d'établir des priorités et le calendrier de mise en œuvre. Face à la mobilisation autour de la rédaction du projet de territoire et aux attentes qu'il suscite, il est impératif de ne pas décevoir. Nous y avons tous, vraiment tous, intérêt pour que le pays de l'Orient et ses habitants vivent en harmonie et poursuivent son développement. Merci de votre attention. Merci André Artereau. Je vais demander donc à Marc Boutruche d'apporter quelques éléments de réponse et je répondrai moi-même à l'amendement du groupe avec la mise au vote. Mais il y a une demande de prise de parole. Oui. On a besoin d'avoir une clarification de forme concernant nos interventions parce que l'amendement a été présenté. Quelle suite vous souhaitez donner à cet amendement dans le déroulé de cette assemblée, dans la mesure où on a d'autres interventions pour compléter, bien évidemment, l'amendement était qu'une... Ah, alors je vous avais demandé si dans le débat général, vous aviez terminé vos interventions. Donc, ah non, bon. Moi, je n'ai pas répondu. D'accord. Écoutez, je vais laisser la parole à Marc Boutruche, puis je répondrai à l'amendement. Et vous pourrez à ce moment-là reprendre la parole. Très bien, merci beaucoup. Moi, j'interviens juste pour des petites choses pratiques, moi, donc je vous rends la parole très vite. Par rapport à ce que André nous a présenté, évidemment que ce que je pensais être la fin de ma mission pour le projet de territoire, finalement, ne fait que commencer, vous l'avez tous compris.
Et notamment en parlant de suivi régulier, on a des contributeurs, des réseaux de contribution qui sont dans la salle. Et là, je leur annonce, parce que je m'engage à le faire, il est clair que les vice-présidents et moi-même, on va se répartir les tâches, mais on aura l'obligation, l'envie et à cœur de continuer cette démarche de suivi, mais de suivi dans un sens et dans l'autre. Un projet de territoire, il doit être vivant. Il va donc être amendé. Et André a dit quelque chose d'un petit peu contradictoire, mais par la force des choses, c'est qu'on ne doit pas décevoir. Et en même temps, on est une instance politique et on doit arbitrer. Et arbitrer, c'est renoncer. Il l'a fort justement dit. Et forcément, quand on arbitre, de temps en temps, on déçoit. Et ça, il va falloir qu'on en prenne conscience. Moi, ce que je veux juste dire, c'est que les points d'étape, on va les organiser ensemble. Est-ce qu'il en faudra deux ? Est-ce qu'il en faudra davantage ? Moi, je m'engage à aussi faire des retours aux contributeurs, notamment s'ils ne se retrouvent pas pleinement, ou en tout cas, je vais plutôt dire complètement, dans toutes les actions, eh ben, qu'ils puissent venir et qu'ils me sollicitent pour avoir des réponses sur les quelques petites choses qui leur paraissent ne pas être retenues dans le projet de territoire. Et, évidemment que ça va être important. Le suivi, on a parlé d'indicateurs. Antoine en a effleuré quelques-uns tout à l'heure. Je vous en donne quelques exemples parce qu'il faut être dans le concret. Ça pourrait être le nombre de PLU intégrant le volet santé-environnement, qui est un de nos axes, enfin un de nos enjeux. Ça peut être l'état écologique des 10 principaux cours d'eau du territoire. Ça peut être le linéaire de pistes cyclables. Ça peut être le taux d'étudiants UBS originaires de Lorient Agglomération. Ça peut être le nombre annuel d'hectares commercialisés dans les zones d'activité. On a déjà beaucoup d'indicateurs en cours et ça permettra, à chaque fois qu'on ira vous faire une restitution des actions menées dans les enjeux et dans les axes du projet de territoire, puisqu'il est indispensable que nos décisions soient connectées, pour reprendre les termes d'André, donc je veux le rassurer là-dessus. En tout cas, évidemment qu'on va réinterroger les outils de planification, le président l'avait dit, et quand on parle de parc financier et de gouvernance, voilà, évidemment que c'est des contrats qu'on va écrire ensemble. Donc voilà, moi je peux déjà dire ça, dire que moi je vais évidemment être pas tout seul évidemment à la manœuvre, mais j'aime bien aussi le fait que André ait pointé des choses très importantes. Ce projet de territoire, il a une valeur pédagogique. Je pense que les élus du territoire ont été connectés entre eux. Je pense que les réseaux ont animé en animant leurs réunions, ont aussi pris une dimension peut-être un petit peu au-delà de leurs prérogatives habituelles et peut-être sont sortis de leur silo, eux aussi, parce que souvent, on reproche aux élus et à l'administration d'être dans des carcans un petit peu spécifiques. Ben, j'espère en tout cas que ça a eu cette valeur pédagogique. Et voilà, moi, j'ai l'impression que c'est co-construit. Je laisserai la parole au président pour répondre sur l'amendement, mais j'ai quand même une déception, je le dis humblement. C'est que je crois avoir ouvert la porte, les portes et même les portes de garage à tous les amendements. Je crois quand vous lirez, vous aussi, les citoyens, les différentes propositions, vous constaterez comme moi, et je ne vais pas vous en faire la lecture là parce qu'on va perdre notre temps très clairement, mais sur toutes les propositions du projet alternatif, sur 66, je ne dirai pas combien vous en retrouverez dans le projet de territoire collectif, mais il y en a bon nombre. Et comme en plus, il y a des possibilités de faire évoluer le projet de territoire, et ben vous verrez, vous aussi, tous, en les lisant, que finalement, un amendement, c'est juste des choses qu'on apporte en plus et ce n'est pas un projet alternatif. Je crois que, et je vous rappelle, que dans les ateliers d'élus, les 25 communes avaient 4 élus et donc que toutes ces idées et toutes ces motions auraient pu et auraient dû même être des parties contributives et pour plusieurs, elles l'ont été. Voilà, je voulais juste préciser ça. Je suis désolé du timing aussi. On aurait voulu, nous aussi, aller plus vite. C'est vrai que 16 mois on n'a pas mis 16 mois pour écrire un projet. Je vous rappelle quand même que, même si moi, je fais presque figure d'ancien maintenant parce que j'étais déjà là, une nouvelle gouvernance, ça s'écrit, ça s'inscrit, c'est une phase de découverte. On a fait les choses comme on a pu. La Covid, c'est marrant, mais on est encore tous masqués, enfin sauf moi, mais on est encore tous masqués, donc il ne faut pas non plus oublier qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas pu faire, plein de rencontres qu'on n'a pas pu faire, plein de retours aux contributeurs qu'on n'a pas pu faire. Et donc, moi, je m'en excuse, mais on a fait comme on a pu. En tout cas, il y a une chose qui est sûre et un mot que moi j'adore et que je vais reprendre, ou deux mots plutôt, le travail collectif, mais ça, vous le savez, de toute façon, vu d'où je suis issu, vous savez qu'on ne joue pas au foot tout seul, n'est-ce pas ? Et le deuxième, c'est la transparence. Et je suis ravi que,
André ait donné ce mot-là, parce que moi, en tout cas, j'avais promis ça et je pense que je l'ai respecté. Voilà. Donc, Fabrice, je te rends la parole. Voilà. Merci, Marc. Je vais apporter maintenant la réponse à l'amendement. D'abord, dire au groupe que je les félicite d'avoir réalisé ce travail, cette contribution, qui est une contribution de qualité et qui a demandé de votre côté un travail d'investigation indéniable et un travail d'analyse que nous reconnaissons. Et je tiens à rendre hommage au groupe pour sa contribution. On ne se situe peut-être pas tout à fait au même niveau, mais je ne vous en fais pas le reproche. Hein, c'est que Marc Boutruche l'a souligné, nous l'avons dit amplement. Nous avons consulté toute une série d'acteurs socio-économiques, d'acteurs associatifs. Votre contribution est d'abord la contribution d'élus. Et encore une fois, je ne vous en fais pas le reproche. J'ai été moi-même dans l'opposition. Sans doute n'avez-vous pas les moyens de faire autrement. Mais on ne peut pas situer la contribution tout à fait au même niveau de ce point de vue-là. Et puis, j'ai regardé moi aussi l'ensemble de vos propositions, en tous les cas, y compris avec mes collaborateurs. Et vous parlez de 61 actions ou intentions. 60 combien ? 5. 65, oui, c'est ça. On a regardé, je ne vais pas faire un pourcentage, mais enfin, effectivement, il y en a 23, 24 qui soit existent déjà ou démarrent ou sont vraiment dans le projet de territoire. Je ne vais pas les énumérer parce que ça demanderait trop de temps, mais quand vous parlez d'accompagnement aux entreprises ou aux porteurs de projets, c'est ce que nous faisons déjà d'ailleurs. Et André Arthuron a rappelé que nous n'avions pas non plus complètement attendu le projet de territoire pour commencer, parce qu'un mandat, c'est long et court à la fois, et qu'il faut bien apporter des réponses aux acteurs qui attendent. Et vous savez que nous avons mis en œuvre ce portail Entreprendre Lorient-Bretagne-Sud, qui permet aux porteurs de projets d'ores et déjà de venir se renseigner. C'est un travail qui a été mené avec Odelor sur les capacités à venir investir et s'implanter chez nous, au pays de Lorient, d'ailleurs, globalement, parce que nous parlons des trois territoires. Et de dire quels sont les outils que nous mettons à disposition de ces investisseurs ou porteurs de projets. Vous parlez des outils du PLH, et il se trouve que non seulement le PLH est mis en révision, et Marc Boutruche en a aussi la responsabilité, mais nous avons déjà évoqué, et nous évoquons dans le projet de territoire, les outils que nous mettons en œuvre pour le PLH. Vous parlez de propositions de parking relais ou d'aires de covoiturage, c'est précisément là aussi ce que nous disons dans le projet de territoire et que nous mettons en pratique, puisque il ne vous a pas échappé qu'au dernier conseil communautaire, nous avons voté les crédits pour la mise en place d'un premier parking de relais à Gestel, et qu'il y en aura d'autres, évidemment. Parce que je sais que c'est votre préoccupation, mais c'est la nôtre aussi, il y en aura d'autres, parce qu'un tel système ne peut fonctionner que s'il est multiple et bien réparti sur l'ensemble du territoire. Parler de conversion du parc de transport et d'écosystème hydrogène, pour le coup, je pense que effectivement, nous n'avons pas attendu le projet de territoire pour engager les réflexions sur la conversion de notre parc roulant transport, en gros les bus CTRL ou les bateaux Transrad, puisque vous savez que nous avons acté le fait que l'ensemble du parc allait être converti soit au GNV ou à l'hydrogène dans les 10 ans qui viennent, et c'est une décision qui va se traduire concrètement dans le futur PPI que nous présenterons dans les prochains mois. Que dis-je encore ? Je prends des exemples peut-être moins importants, mais la délocalisation de la conférence des maires, eh bien, c'est fait. Nous allons le faire d'ailleurs au mois de décembre. Parler de pacte de gouvernance de proximité, nous lançons le chantier, la méthode ces prochains mois. Mais vous avez compris aussi que pour nous, ce qui comptait, c'était d'abord le projet de territoire et puis ensuite la méthode, et notamment le pacte de gouvernance qui va régir les relations, et c'est très important, entre l'agglomération et les communes, qui doivent être des relations de confiance, et c'est ce que va dire précisément le pacte de gouvernance. Voilà, donc je ne veux pas multiplier les exemples, mais on n'a pas eu le sentiment qu'on était finalement aussi éloigné que ça. Alors, sans doute des différences, et c'est normal, et peut-être heureusement pour le débat, mais du coup, on s'est interrogé sur quand même la logique de cet amendement, et cet amendement, il a une logique de fermeture. Puisqu'il dit il faut prendre notre projet contre le projet de territoire. Et c'est vrai que, un peu comme Marc Boutruche, moi je regrette qu'on en soit arrivé là. C'est-à-dire que, et dans le contenu et dans la démarche, je pense que nous avions vraiment capacité à converger ensemble. L'intercommission réunie le 2 novembre avait ce but d'ailleurs, et si mes informations sont exactes, vous n'avez pas présenté dans l'esprit en tous les cas un tel amendement qui aurait peut-être encore permis de pouvoir discuter ensemble. Donc, c'est une logique de fermeture, et pour tout dire, on va se le dire, autant l'assumer,
c'est une, pour vous une explication de vote, une explication d'un vote qui va intervenir, qui va vous permettre, avec le rejet de l'amendement que je vais demander à la majorité d'assumer, de pouvoir aussi assumer peut-être votre propre position politique. Donc je ne peux pas effectivement accepter, au nom de l'exécutif et au nom de la majorité communautaire, un amendement qui consiste à dire on écarte le projet de territoire et on prend notre proposition. Votre proposition aurait pu être intégrée assez largement. On en a fait la démonstration dans notre projet de territoire. Ce n'est pas le choix de méthode que vous faites. Je le regrette aussi comme Marc Boutruche, mais j'en prends acte. Et donc nous proposerons, en soumettant au vote cet amendement, de le rejeter. J'ajoute quand même, parce que j'ai entendu la présentation de Rose Morellec, une présentation de qualité, je ne vais pas lui en faire le reproche, la mosaïque de propositions, je trouve ça quand même un peu condescendant vis-à-vis de l'ensemble des contributions qui ont été apportées par tous les acteurs socio-économiques ou associatifs que nous avons consultés. On ne peut pas parler de mosaïque de propositions. Oui, nous partions les uns les autres avec évidemment des propositions. Nous avons fait des campagnes municipales, je l'ai dit dans mon propos introductif. Nous portons évidemment des politiques publiques. Mais nous nous sommes dit que nous allions enrichir cela des contributions de tous ceux qui souhaitaient s'associer à la rédaction et l'élaboration de ce projet de territoire. Et nous accouchons effectivement d'un projet de territoire qui n'est pas complètement celui que nous aurions fait si nous étions simplement réunis en interne pour faire la compilation de nos programmes municipaux. Ça n'est pas ça du tout dans l'esprit. C'est une vraie valeur ajoutée que nous apportons. Et oui, nous prenons en compte, nous tenons compte des avis des acteurs et des contributeurs. Parce que sinon, ça ne fallait pas la peine de faire un projet de territoire. Donc je trouve l'expression « mosaïque de propositions » peu respectueuse. Je le dis tout à fait amicalement à Rose Morellec. Donc je proposerai effectivement le rejet de votre amendement. Qui prend la parole ? Oui, c'est moi. Effectivement, hein, vous avez résumé l'explication de notre position. Donc on interviendra à deux voix. À la suite de mon intervention, Rose Morellec précisera un peu notre projet. Alors, nous y voilà. Ce soir, vous nous présentez le projet de territoire annoncé depuis le début de la mandature. Pour ce faire, votre volonté d'ouvrir la concertation en plus grand nombre est indéniable. Le panel des contributeurs est en effet riche et varié. Conseil de développement du Pays de l'Orient, élus municipaux, une centaine, 35 acteurs socio-économiques, indiquez-vous, 26 témoins, 1000 propositions citoyennes recueillies. Ils ont exprimé leur perception et proposé un diagnostic du territoire, échangé sur leur vision de celui-ci en 2030 et suggéré des actions pour répondre aux enjeux et défis à venir. Vous nous dites avoir organisé un séminaire de la majorité, ce qui est apparu effectivement dans votre petite vidéo. Pour notre part, nous avons participé au comité de pilotage et plusieurs ateliers au sein de la conférence des maires et des commissions. Un cabinet spécialisé, de plus, vous a accompagné tout au long de cette démarche. Nous vous avons présenté une contribution de 65 propositions, pour la plupart opérationnelles, et finançables pendant cette mandature. Nous pouvions alors attendre de votre part la présentation d'un projet élaboré et programmé, dont la nature suivante est communément admise par l'ensemble des écoles en la matière, à savoir quoi les actions, qui les populations concernées, où les domaines touchés par le projet, les lieux, quand la programmation dans le temps, comment les moyens et les méthodes, pourquoi faire les motifs et les objectifs. Dès l'introduction, cependant, nous apprenons qu'il ne s'agit plus de cela et qu'il convient plutôt d'évoquer un document d'intention. À sa lecture, en effet, nous avons bien la confirmation que vous nous présentez un livret fait de généralité et par voie de conséquence d'absence de lisibilité pour nos concitoyens, de vos actions à venir et propositions concrètes. Certes, nous voyons apparaître des actions dont certaines peuvent interroger cependant. Une maison de l'entreprise, une maison de la culture bretonne, des maisons de l'alimentation. Le développement de plusieurs portails est également évoqué, pourquoi pas. Ce que vous présentez désormais comme une déclaration d'intention s'apparente plutôt donc à une feuille de route, à disposition des vice-présidents, utilisable au gré des opportunités, des événements et des bonnes volontés, chacun pouvant y piocher pour justifier telle ou telle action. Tout ça pour ça. Ainsi, au moment où vous aviez un grand rendez-vous avec la population pour lui proposer un contrat de confiance dans l'action publique,
vous caler. Vous caler lorsqu'il fallait décliner toutes les propositions et suggestions en plan d'action et en programmation. Vous aviez, nous avions alors une grande opportunité d'intéresser nos concitoyens à une œuvre en commun pour les années à venir. Ce que le plan de communication déjà entamé ce soir, que vous allez déployer auprès d'eux, ne pourra corriger. Alors pourquoi cette panne ? Sans doute pouvons-nous trouver des éléments de réponse, disons, plus institutionnels. La majorité communautaire résulte des élections municipales. La constitution de son exécutif fait appel à des sensibilités politiques proches et des questions de personnes plus qu'à une communauté de projets ou encore d'une certaine conception de ce que est, de ce qu'est et peut être notre agglomération. Vous aviez pourtant, dès l'annonce du projet, la possibilité d'y pallier en affirmant votre vision et en traçant vos priorités en direction de ses habitants. Sans nul doute, il aurait été alors bien plus aisé pour les contributeurs de les amender, les compléter, les élargir, les enrichir. En l'absence de ce positionnement politique clairement affirmé, sans contour budgétaire prospectif à minima et maxima, au moins esquissé, vous vous êtes retrouvé avec cette mosaïque, en effet, certes arc-en-ciel, de propositions d'ordre secondaire ou général, sans lien de transversalité entre elles. En témoigne la dernière intercommission la semaine dernière, où un projet de viticulture est apparu, comme tombé de la lune, et malgré tout repris dans le document final. Un retrait in extremis de la notion de plan local d'urbanisme intercommunal s'est opéré également après cette réunion. Pas de transversalité, donc pas de cohérence d'ensemble. Nous en voulons pour exemple absence de lien de cause à effet entre l'attractivité et la tension du foncier et du marché du logement en général. Aucun lien non plus entre l'hydrogène et le déficit d'énergie renouvelable sur le territoire et plus généralement le rapport entre développement et la raréfaction de nos ressources. La poursuite de la lecture du document nous amène à des questionnements majeurs, non évoqués ou juste effleurés. Qu'en est-il exactement de l'accompagnement de l'agriculture et de l'industrie dans notre positionnement face aux crises et transformations à venir? Ou qu'en est-il concrètement de l'équilibre territorial entre terre, ville et mer, de la proximité, de la précarité, d'égalité homme-femme? Cette absence de vision politique affirmée, déclinée en priorité, conduit inévitablement à des propositions tièdes, affadies. On nous parle de révolution des mobilités, vous l'avez évoqué, carrément une révolution quand on voit un saupoudrage des pistes cyclables et parkings relais secondaires avant les prioritaires. On nous parle de solidarité intercommunale, quand le futur fonds d'intervention communautaire ruralité neutralise les déséquilibres existants en matière de services médicaux, commerciaux, de transports, pour servir les villes qui sont déjà dotées de tous les équipements et services. Dans cet ensemble fourre-tout, masqué par 5 mots-clés, nous avons éprouvé beaucoup de difficultés, à quelques exceptions près, pour identifier en quoi nos propositions d'amélioration de la vie quotidienne de nos concitoyens avaient été prises en compte. Ce que sera la prochaine prise de parole de Rose Morellec. Ce qui était ainsi une volonté de notre part, de contribuer à un projet commun partagé. Pourquoi pas discuter ? Ce que nous avons attendu à la suite de la remise de nos propositions en septembre, nous n'avons eu aucun retour. Cette volonté s'est éloignée à la lecture de votre document pour devenir un projet alternatif que nous présentons ce soir, justifiant l'amendement à votre projet territoire que vous venez de nous présenter. Je vous remercie. Alors, je donne la parole à Rose Morellec. Est-ce qu'il y aura d'autres interventions pour organiser le débat ? Donc, Rose Morellec, merci. Alors, pour compléter les propos de Dominique Le Vouédec, le président de notre groupe, pourquoi en sommes-nous arrivés là ? Parce que nous assistons ce soir à un rendez-vous que nous jugeons manqué. Nous vous avons remis, il y a 2 mois, quasiment jour pour jour, une contribution en prise avec les habitantes et les habitants, un projet qui se saisit des besoins en services publics intercommunaux, un projet de proximité ancré sur un territoire vécu, un projet réaliste, concret, qui n'est pas dispensieux, qui n'est pas flou,
qui s'appuie sur la réalité de nos ressources, qu'elles soient financières, humaines ou naturelles. De cette contribution, vous n'avez repris que quelques mots, mais aucune action phare, alors que celle-ci visait à traiter des réalités bien concrètes et bien présentes. Nous aurions aimé y retrouver des priorités et des grands enjeux. Pour nous, la priorité 1, c'est le service intercommunal pour toutes et tous, partout. L'enjeu de traiter les fractures spatiales subies en matière de services publics. Nous aurions donc aimé y retrouver l'engagement de traiter une fois pour toutes de la faisabilité de la gratuité des transports en commun, en mesurant tous les préalables et les impacts d'une telle mesure. C'est avec l'objectif de faciliter l'accès du plus grand nombre de nos concitoyens à notre réseau que nous appelons, dans notre contribution, à la mise en place d'une mission chargée d'étudier la question de la gratuité globalement en analysant l'adaptation du réseau aux véritables besoins, les fréquences, les leviers au changement d'habitude et leurs impacts financiers. La principale source de recettes de la CTRL est bien le ticket unité. Or, ce ticket unité est le billet le plus utilisé par les plus précaires, ceux qui n'ont pas accès aux abonnements et à la prise en charge de l'abonnement par l'employeur. S'appuyer sur cette recette est un aveu d'inaction envers les plus fragiles d'entre nous. Et si donner accès au réseau est un enjeu, il l'est particulièrement pour les habitants de la dizaine de communes dont le territoire est couvert à moins de 60% des arrêts de proximité ou encore soumis à une fréquence dépassant la demi-heure. Les mêmes communes pour lesquelles le déploiement de parcs relais prioritaires de lignes express de micro-réseaux vers les pôles de services comme Plouay, Hennebont, Quévin sont essentiels. Toutes ces actions concrètes sont restées sur le bord du chemin. Elles incarnaient pour nous davantage la révolution des mobilités que de créer deux échangeurs supplémentaires sur la 165. La priorité numéro 2, un développement économique local intégré et innovant. Concrètement, l'enjeu est de penser filière du tissu économique à la place de l'habitant, en passant par les richesses propres au territoire, et d'innover collectivement. Nous aurions aimé trouver dans ce projet de territoire, dans notre projet de territoire finalement, non pas la création de structures qui, à notre sens, existent déjà et sont certainement améliorées, mais bien un soutien fort et clair aux acteurs économiques de ce territoire, celles et ceux qui font la vitalité de nos communes. Nous fléchons particulièrement les agriculteurs, les pêcheurs, les artisans, les commerçants, les professionnels du tourisme et bien sûr l'industrie dont il faut accompagner les mutations, la modernisation, la transition, la transmission. Et pour cela, nous appelons à un fort déploiement d'aide en direction de ces filières, ces métiers, ces emplois. Pour l'agriculteur et l'agricultrice, l'enjeu est évidemment très fort. Au-delà d'un accompagnement financier volontariste, ce sont des actions innovantes mais aussi responsables qu'il nous semblait essentiel d'inscrire au programme. Nous identifions 4 chantiers, la pérennisation de la filière, la question du foncier, la transmission, l'installation de nouveaux professionnels, les transitions des pratiques d'équipement pour les circuits courts, pour les débouchés locaux. L'autonomie alimentaire, traitée en coopération entre tous les acteurs, l'agglo, la région, le département, les communes, la chambre d'agriculture, le syndicat des bassins versants, les agriculteurs, l'économie sociale et solidaire, les citoyens, et j'en oublie, l'enjeu majeur de la qualité de l'eau, et par là, le problème des algues vertes. C'est pour nous l'occasion, que nous jugeons manquée, pour l'agglomération, de remplir son rôle de stratège, c'est-à-dire d'être chef de file d'une commission intercommunale agricole pluriacteur prenant à bras-le-corps ces défis. La priorité numéro 3. Un territoire vivant, riche de ses patrimoines naturels, historiques et culturels, à préserver et à valoriser. Concrètement, l'enjeu est de placer au cœur de nos politiques toutes nos ressources, tous nos patrimoines communs aux quatre coins du territoire, alliant ainsi terre et mer. Nous aurions aimé voir dans le projet de territoire la prise de conscience que le patrimoine de ce territoire est vivant et vécu par ses habitants, et qu'à ce titre soit développé et valorisé un label engageant à l'échelle de notre territoire, qui réunissent tous les acteurs autour de l'enjeu de la préservation des ressources, l'eau, la biodiversité, l'évolution de notre territoire sous le poids du changement climatique. On voit notre trait de côte déjà bouger. Des transformations à engager ensemble pour qu'il perdure. À l'échelle de nos bassins versants et de la rade se conjuguent un certain nombre d'enjeux. À la croisée de la préservation des patrimoines naturels, historiques, culturels, de l'activité économique et de l'attractivité touristique et de leurs impacts sur notre territoire. Et qui mériterait d'en faire un site d'excellence, notre bien commun, qui est la clé du devenir du territoire. Parmi la dizaine d'actions concrètes qui accompagnaient cette ambition et qui ont été écartées, on trouve la mise en place d'un atlas commun, co-construit et alimenté en permanence par les habitants pour connaître et suivre nos ressources et patrimoines. On trouve l'acquisition par la collectivité de parcelles boisées pour préserver la ressource bois.
et on trouve la reconquête des milieux par les structures de l'économie sociale et solidaire, la mobilisation des friches pour y développer des lieux transitoires de création, par exemple. Enfin, la priorité numéro 4, une relation de confiance et non de défiance et de proximité avec les habitants et les communes envers l'agglo. Concrètement, l'enjeu est de placer l'habitant et les élus municipaux au cœur du projet et non comme spectateurs d'une communication de marketing territorial. Nous aurions donc aimé y voir une volonté de créer du lien avec les habitants, de les placer au cœur de la construction des projets intercommunaux et pas à coup d'enquête de satisfaction comme on a pu le voir dans ce projet, mais par la création, par exemple, d'un budget participatif communautaire à l'échelle de nos 25 communes pour des projets innovants, notamment en matière d'accès aux services sur le territoire. Nous aurions aimé y voir l'implication des habitants par un droit d'interpellation ou encore par la possibilité d'organiser des votations sur des projets communautaires majeurs. Nouveaux équipements communautaires, transfert de compétences ou d'équipements, par exemple. Dans la relation de confiance et de proximité avec les habitants et les communes qui est à tisser, nous aurions aimé y voir une référence à la manière d'exercer nos mandats, qui se doit d'être exemplaire, que ce soit en matière de parité ou de non-cumul des mandats. Nous proposons de ne pas permettre de cumuler des fonctions d'exécutif dans plus de deux collectivités. Maire et vice-président, vice-présidente nous semblent le maximum acceptable pour que les élus tiennent leurs engagements. Un engagement de proximité, un engagement à la connaissance de nos 25 communes, un engagement à la disponibilité pour les habitantes et les habitants et les porteurs de projets. Voici donc quelques actions parmi les 65 que nous vous avons soumis, des propositions qui changent la vie, modestement, des actions concrètes que les habitants ne verront pas se réaliser ces prochaines années. Le consensus ne s'achète pas à coups d'ajouts ou de retraits de mots ou de phrases. Il se construit sur l'ambition commune de mettre les habitants au cœur du développement. Au risque de répéter, le message est simple, partout, pour tout le monde, du service public. Juste une petite parenthèse qui n'en est pas une finalement, et qui fera office de conclusion. Nous sommes sur les derniers jours de la COP 26 à Glasgow. L'engagement et l'engagement de notre territoire à prendre sa part dans le changement global qui s'opère ne revêt ici aucune réalité. Longtemps, la phrase préférée de tous était « penser global, agir local ». Nous ne doutons pas de la conscience de l'enjeu et de l'envie d'être acteur du changement de quelques-uns des membres actifs de votre majorité. Cependant, nous craignons que la liste d'intentions que vous égrenez n'amène que frustration et perte de temps. Alors, pour reprendre la métaphore déjà filée par Dominique Levoidec, avons-nous réellement le droit de caler quand notre territoire vit des mutations sur le champ de l'immobilier, du foncier, de l'industrie, de notre trait de côte, qui peuvent être irréversibles ? Les réponses concrètes peinent à se voir dans ce document plein de bonnes intentions. Nous attendions de la coopération, soutenue par un plan d'action, une programmation et une lisibilité pour les habitants. Que de rendez-vous manqués. Nous voterons donc contre. Alors, Marc Boutruche pour de premiers éléments de réponse et je conclurai. C'est dur, mais comme c'est un peu faux, c'est cool. Moi je parle que de la forme, vous savez bien. Voilà. Juste comme on s'est rencontrés en fait, hein, donc on a échangé, et j'ai fait un retour et je me suis même assuré que bon nombre d'actions citées, où elles existaient déjà, ou en tout cas on les a intégrées, on s'est même permis avec Thomas d'en réécrire certaines parce que effectivement, comme l'a dit Fabrice tout à l'heure, on a trouvé de la qualité dans le document et il y a des choses. C'est-à-dire que l'amendement dont on parle là a bien contribué pour partie à quelques éléments du projet de territoire collectif. Donc déjà, c'est pas. Après, je vous rappelle juste que il s'agissait de contributeurs comme d'autres, et que donc la deadline était plutôt autour de début juillet, que le document m'a été remis le 10 septembre. Donc déjà, avec une forte tolérance de ma part, évidemment, puisque je ne pouvais pas me passer de cette contribution. Juste pour vous dire que de mars à juillet, tous les mêmes élus qui ont participé à ces réunions-là ont participé aussi aux nôtres. Et donc, si les idées étaient fabuleuses et géniales, pourquoi n'ont-elles pas figuré? Mais si, elles ont figuré, puisqu'on en a reprise. Bref, on peut continuer comme ça des heures et des heures. Ensuite, juste pour parler de quelques exemples, le document présentait 66 actions, dont une qui était un droit de veto d'une commune pour annuler une décision intercommunale. Elle a été enlevée puisque maintenant, il y a 65 propositions. Ça veut dire que non seulement cet échange a eu lieu, mais en plus, comme j'avais pu faire, par exemple, cette remarque sur cette action-là, elle a été enlevée. Donc, c'est vous dire l'échange qu'il y a eu puisque, en fait, l'amendement a eu lieu dans les deux sens. Quand on parle de... Je prends juste deux, trois exemples. Il faudrait mettre une politique d'acquisition de terrains boisés pour...
Alors, ça tombe très bien. En tant que vice-président au foncier, j'ai signé un courrier, mais ça, je ne le savais pas, hein, que c'était aujourd'hui que ça allait être le cas, mais j'ai signé un courrier aujourd'hui pour justement faire une acquisition d'espaces boisés de quelques hectares pour améliorer la qualité des eaux, et parce que ça rentre dans notre dispositif GEMAPI. Et donc, c'est assez génial qu'on nous dise que voilà, qu'on n'a pas ces stratégies-là, alors qu'en fait, on est en plein dedans, puisque j'ai signé un courrier aujourd'hui. Quand on parle de plein d'autres choses, du bio et de l'accompagnement aussi avec l'agriculture, on a une charte de l'agriculture et de l'alimentation qui d'ailleurs est, enfin, que vous connaissez bien puisqu'elle existe depuis déjà assez longtemps. J'avais d'ailleurs proposé qu'on fasse des incitations sans doute plus importantes financièrement aux agriculteurs, et c'est la Chambre d'agriculture elle-même qui m'a dit que cette action-là suffisait largement, que l'action de l'agglo était déjà assez importante, et que eux, ils préféraient qu'on aille vers une cellule foncière. Et ben, c'est génial, on en a créé une et on est même en train de l'amender sur la demande, je crois, de Laurent qui est là et qui ne pourra pas démentir, pour qu'elle soit foncière et agricole, c'est-à-dire qu'on y apporte encore plein d'autres choses, et un rendez-vous est prévu. Alors, je ne vais pas aller comme ça jusque tout au long, mais il y a un moment, comme c'est souvent le dernier qui parle qui a raison, il est important aussi pour les contributeurs que je rappelle que tout ce que vous avez entendu, c'est sans doute vrai, partiellement, mais pas complètement. Et donc, je vous invite éventuellement à me demander les compléments si jamais ça manque. Et pour ce qui est de la disponibilité et donc des élus et du cumul des mandats, alors je vais quand même faire une... On a juste oublié un truc. C'est, il y a des maires et des maires vice-présidents, mais il y a aussi des maires vice-présidents et des maires pères de famille et qui travaillent et qui ont un vrai job aussi. Ça existe aussi. Donc voilà, je voulais juste dire qu'on restait en contact avec la réalité et qu'on savait... malgré tout, donner beaucoup de temps à l'action publique qui nous passionne et qu'on a appris à découvrir et qu'on aime, en fait. Voilà. Merci, Marc. Bon, quelques commentaires complémentaires, même si je trouve quand même que le propos, notamment de Rose Morelec, relève quand même davantage de la posture. Bon, il fallait bien justifier manifestement... un vote différentiel, donc vous y êtes allé de formules qui relèvent plus du débat politicien, et ce n'était pas effectivement ni l'envie, ni l'esprit en tous les cas, et des discussions que nous avons déjà eues ensemble, et dont je veux souligner la qualité, et de l'esprit de l'élaboration de ce projet de territoire. Donc, quand même, puisqu'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont ici présents dans la salle, rétablir deux, trois vérités. Je trouve que vous avez la mémoire courte. Et je le dis à Dominique Levoidec, qui a quand même été, il ne peut pas le cacher, vice-président dans l'exécutif. On aurait aimé avoir ce type de débat dans l'ancien mandat. On aurait aimé avoir à discuter d'un projet global, d'une vision globale du territoire, ce qui n'a jamais été le cas. Donc je veux bien après qu'on nous fasse des procès d'intention. Nous ne prétendons pas que ce projet est parfait. Il a certainement ses imperfections et ses limites. Mais il a un grand avantage. D'abord, il est le fruit de discussions longues et d'une concertation riche. Et surtout, il va continuer à vivre. Et nous allons pouvoir continuer à l'amender, à le perfectionner, parce que c'est comme ça que nous répondons aux attentes de nos concitoyens et à la nécessité de modifier nos politiques publiques. Moi, quand j'entends il faut faire plus de logements, enfin, Madame Morelec, je suis le maire d'une ville qui, en 2020, a fait déposer deux fois plus de permis de construire et en 2021, trois fois plus de permis de construire que dans toute la période précédente. Alors moi, je veux bien qu'on nous dise qu'on ne fait rien pour le logement, mais qu'est-ce qu'il faut faire alors? Et ça, c'est des réalités, c'est des chiffres, et je les tiens à votre disposition. Oui, l'attractivité, nous la revendiquons. Oui, l'attractivité va nous poser des problèmes. Oui, nous disons dans le projet territoire que nous voulons que nos populations continuent à vivre, travailler et à se loger ici. Oui, la question du logement, pour nous, elle est essentielle. Il va falloir qu'on mette en place les outils pour que les habitants du territoire puissent continuer à se loger ici sur le territoire. Mais oui, nous agissons parce que nous mettons en place des outils de régulation et parce que nous allons faciliter sur l'ensemble du territoire, je n'ai modestement parlé que de l'exemple de la ville dont je m'occupe, mais sur l'ensemble du territoire, de la capacité à construire davantage. Ça, c'est la réponse. Vous parlez d'assainissement. J'avais une réunion de travail avec... les services cet après-midi. Nous sortons d'une période précédente où nous avons sous-investi sur l'ensemble des réseaux d'eau potable et d'assainissement. Et à l'extrême limite, je ne vous en fais pas le reproche, ou je n'en fais pas le reproche à la majorité précédente. C'est vrai qu'il y avait les baisses de dotation au gouvernement Hollande,
Puis il y a eu ensuite contrat Cahors, donc il y avait des limites budgétaires. Mais vous voyez que l'action publique, elle est plus compliquée que ça. Aujourd'hui, nous allons, je l'espère, pouvoir élaborer un schéma directeur d'assainissement ambitieux, ambitieux, mais qui va nous poser aussi des problèmes. Et il faudra être au rendez-vous. Et on attendra la position de votre groupe quand on vous dira, est-ce que pour rétablir la qualité de l'eau potable, est-ce que pour aller plus loin en matière de rénovation de nos schémas d'assainissement, il faut mettre les moyens financiers, budgétaires, où nous les prenons, comment nous les calculons. Il y aura un beau débat à avoir là-dessus. Nous verrons si vous êtes au rendez-vous également là-dessus. Vous parlez de foncier. Non mais attendez, on a trouvé une situation où il n'y a quasiment pas de réserve foncière sur le territoire pour répondre aux besoins des entreprises. C'est ça aussi le bilan, alors pour le coup, quand même contestable de l'ancienne majorité. Et donc, tout le travail que nous faisons, que fait Freddy Folizou, avec Audelor notamment, il essaie de, et les services de l'agglo qui sont impliqués, de mettre en place une nouvelle politique foncière qui permette d'abord d'acquérir des terrains ou de faire de la veille et de la vraie prospective foncière, puis ensuite de les aménager et de les commercialiser pour les mettre à disposition de nos entreprises, même quand nous sommes déficitaires sur une opération, parce que nous considérons que c'est l'investissement de l'agglomération pour faire venir des entreprises et de l'emploi. Ça, c'est de l'action. Ce n'est pas de l'incantation et ce n'est pas de la posture. Et je pourrais continuer sur d'autres sujets comme ça. Vous nous parlez d'économie sociale et solidaire. Je vous rappelle quand même que c'est cette majorité qui a mis en place à l'agglo, comme moi à la ville-centre, un conseiller délégué référent à l'économie sociale et solidaire et qui met en place les premiers crédits d'intervention. Alors, moi, je veux bien qu'on se balance des postures à la figure, mais ça n'est pas sérieux. Et le projet de territoire reprend effectivement comme objectif le fait que l'économie sociale et solidaire est un vrai gisement de création d'emplois sur ce territoire. Et il n'y a aucun débat entre nous à avoir là-dessus, sinon que nous agissons. Et qu'on ne peut pas nous faire le reproche de ne pas aller dans une direction que nous assumons totalement parce que c'est nous qui l'avons mise en place. Voilà, donc je ne veux pas être trop long. Terminer quand même que mémoire courte, c'est quand même oublier qu'il y a une crise sanitaire. Et on est encore dedans. On est encore dedans, on n'est pas totalement sorti. Moi, je ne sais pas ce qu'a dit le président de la République, là, mais on n'est pas sorti de la crise sanitaire. Et quand vous nous parlez de la gratuité des transports collectifs, j'ai été un élu qui a fait la proposition au cours de la dernière campagne de la gratuité des transports le week-end sur l'agglomération. Mais entre-temps, il y a une crise. Entre-temps, notre réseau de transports collectifs, il a perdu 35% de voyageurs en 2020-2021. C'est plus de 2 millions d'euros de recettes perdues. Comment on fait pour financer? Moi, je veux bien qu'on dise qu'il faut mettre des actions concrètes en place et voter ce soir la décision de principe de la gratuité des transports. Comment on finance? Il faut déjà qu'on rétablisse quand même nos équilibres. Donc, il faut être un peu sérieux sur ce genre de discussion. Nous continuerons à discuter de ce débat, notamment en conférence des maires, parce que je pense qu'il faut un débat sérieux sur la question, et nous n'oublions pas, mais dans l'état actuel des choses, je me sens dans la capacité de proposer à cette majorité de proposer la gratuité des transports collectifs, et je le dis devant les citoyens qui nous écoutent, parce que ça n'est pas sérieux budgétairement à un moment où notre réseau n'a toujours pas rétabli, enfin n'a toujours pas récupéré les clients perdus lors de la crise sanitaire. C'est une réalité, et il faut que nous y fassions face. J'ajoute que pour avoir parlé de décarbonation du réseau de transport, nous avons pris la décision de renouveler l'ensemble du parc roulant, hein, c'est dans le projet de territoire d'ailleurs, et ça a un coût. Et c'est un coût qu'il faut aussi assumer, et ça fait partie du débat. Bref, je voudrais dire, mes chers collègues, en tous les cas, que je remercie les uns les autres, et je vous remercie, malgré tout, le groupe Coopération Terre et Mer, de ce débat que je trouve riche et constructif. Il a montré que la démarche, elle doit continuer. Elle doit continuer. Il n'a jamais été question de s'arrêter là. Et d'ailleurs, j'annonce une bonne nouvelle à Marc Bautruche, il va continuer sa mission. Il va continuer sa mission parce que le projet de territoire, maintenant, il faut qu'il vive. Il faut le faire évoluer, il faut le concrétiser dans le sens du possible, pas du virtuel. Et je pense qu'effectivement, un catalogue d'actions dans la situation d'instabilité qui reste la nôtre, la crise sanitaire, l'instabilité économique, je ne parle plus de crise économique, on est plutôt en rebond économique. Mais c'est fragile. Quelle sera la situation dans quelques mois? Nous ne le savons pas. Eh bien, ça, c'est la machine à frustration. Alors que nous avons préféré, effectivement, nous avons proposé une démarche qui est une feuille de route stratégique, je l'ai dit, agile, évolutive. Et André Arthereau a eu raison. Il nous dit le plus dur est à venir. Mais bien sûr, nous le savons. Le plus dur est à venir parce qu'il faudra traduire budget après budget, politique publique après politique publique, l'ensemble des orientations que nous allons décider de mettre en œuvre. Il faudra des priorités, il faudra un calendrier de mise en œuvre. C'est aussi ça le travail qui sera celui, non plus seulement de Marc Bautruche, mais de l'ensemble de cette majorité et de l'exécutif. Et puis,
Pour terminer, je vais faire quelque chose de pas habituel, pas l'habitude de remercier des gens qui ne sont pas des élus, mais je vais remercier des fonctionnaires. D'abord, l'ensemble de la direction générale de l'agglomération, mais allez, il y a trois fonctionnaires que je vais citer. Je vais les citer dans le respect de leur neutralité de fonctionnaire. Ils ne sont pas engagés dans un débat politique. Ils n'ont fait que leur devoir de fonctionnaire, mais ça se mesure. C'est Thomas Chiron, c'est Florine Mila-Carus et Anne Mulligan qui ont été véritablement les acteurs à nos côtés du processus d'élaboration et d'écriture. Et je pense que ça méritait qu'on le souligne. Et je pense même qu'il mérite les applaudissements de tout le monde ici ce soir. Ceci, bien sûr, en respectant le devoir de neutralité qui est le leur et qui a toujours été le leur et qui restera le leur, je le sais, ils y sont très attachés. En tous les cas, je souhaite vous dire que vous avez fait écho aux valeurs républicaines. Je crois que c'est André Artero qui l'a dit. Je sais que c'est partagé également par le groupe Coopération Terre-Mer. Je n'ai aucun doute là-dessus. C'est dans le cadre de ces valeurs républicaines que nous allons faire vivre maintenant le projet de territoire, que nous allons le mettre en œuvre. Et je ne sais pas, cher Antoine, si ce document est génial, mais en tous les cas, selon la bonne formule que tu as utilisé tout à l'heure, il nous appelle au travail. Alors désormais, place au travail. Je vous remercie. Alors, je vais d'abord faire voter l'amendement, et puis à l'issue de l'amendement, nous voterons le projet de territoire. Donc d'abord, vote sur l'amendement. Je demande évidemment à la majorité de voter contre l'amendement du groupe. Je n'ai pas besoin d'assister le lendemain. Alors oui, ne vous trompez pas de bouton, à vous le dire. Hein. C'est le 2. Le 1, pour ceux qui veulent voter pour, j'essaie d'être honnête et complet. Voilà, le vote est clos. 73 votants. Je vais donner le détail du vote parce que c'est important. 71 exprimés. 2 abstentions. Il y a 14 pour, 57 contre. L'amendement du groupe Lorient Agglomération Coopération Terre et Mer est rejeté. À partir de là, je peux mettre maintenant en voie le projet de territoire lui-même. Pour la majorité communautaire et ceux qui nous suivent, ne vous trompez pas de bouton, cette fois-ci c'est le 1. Je l'aurais dit. Voilà, le vote est clos, 73 votants, 72 exprimés, une abstention, on votait pour 57 élus, on votait contre 15 élus. Mesdames et messieurs, mes chers collègues, le projet de territoire de Lorient Agglomération est adopté. Je vous remercie. Il me reste à vous souhaiter une bonne soirée. Le prochain conseil communautaire sera donc le 7 décembre. Nous devrions normalement être à la maison de l'agglomération. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci au public présent. Et encore une fois, merci à tous. Et j'allais dire bon week-end, presque, parce que nous sommes déjà en week-end demain soir. Voilà. Bonne soirée. Alors, pour l'ensemble des présents, il y a un pot de l'amitié.